L'affaire se corse, le gouvernement a informé ABC News que le président Poutine était directement mêlé au piratage du Comité national démocrate. Nous l'avons dit à plusieurs reprises ces deux derniers mois, notre source n'est pas le gouvernement russe. Vladimir Poutine a lui-même orchestré ces cyberattaques clandestines. Vous respectez Poutine? Absolument. Mais pourquoi? C'est un meurtrier. Il y en a plein des tueurs. Vous pensez que notre pays est irréprochable? Bonjour, monsieur le président. Je suis heureux de vous revoir. Je pensais que vous pourriez vous asseoir là-bas. Je vais me mettre ici et nous verrons bien. On va improviser. Rien n'est fixé. For 40 years, the United States led the West in the struggle against communism and the threat it posed to our most precious values. This struggle shaped the lives of all Americans. It forced all nations to live under the specter of nuclear destruction. That confrontation is now over. За всю российскую историю впервые верховная власть в стране передается самым демократическим, самым простым образом. По воле народа, законно и мирно. Je pense que les Occidentaux ne savent pas grand-chose de vous. Nous aimerions connaître votre parcours, d'où vous venez. Je sais que vous êtes né en octobre 1952, donc après la guerre, que votre mère travaillait en usine, que votre père avait fait la guerre et que vous avez grandi dans un appartement communautaire avec d'autres familles. Ma mère n'a jamais travaillé en usine, mais mon père, oui. Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il était ajusteur mécanicien. Il avait fait des études secondaires dans un établissement technique. Il a été blessé pendant la guerre, je crois. Oui. Au début de la guerre, il avait travaillé dans divers services administratifs de l'armée. Ensuite, il a servi dans l'armée active et il a été envoyé dans les secteurs les plus dangereux du front de Leningrad. Il m'avait eu sur le tard. Avant moi, ils avaient perdu deux enfants, dont un pendant la guerre, pendant le siège de Leningrad. J'ai cru comprendre que vous aviez eu des problèmes de délinquance, que vous étiez un peu voyou, jusqu'à ce que vous vous mettiez au judo à l'âge de 12 ans. Quand j'étais enfant, j'ai vécu très librement. Je passais le plus clair de mon temps dans les rues, dans les cours d'immeubles. C'est avec la pratique du judo que ma vie a commencé à changer, et dans le bon sens. Après le lycée, vous êtes allé à la faculté de droit. C'est bien comme ça que ça se passe en Russie. Oui, c'est juste. Quand j'ai terminé mes études secondaires, je suis entré à l'université de Leningrad, à la faculté de droit. Et c'est là que vous avez rencontré votre première femme. Votre dernière femme, je veux dire votre seule femme. Ça, c'était plus tard, environ 7 ans après. Ensuite, vous êtes directement entré au KGB en 1975, à Leningrad. Quand on faisait des études supérieures en Union soviétique, il y avait ce qu'on appelait le système de placement dans les établissements. Quand on avait fini nos études, on devait aller travailler là où on nous envoyait. Vous n'aviez pas le choix? On était placés. J'étais obligé d'aller travailler au KGB, mais de toute façon, c'est ce que je voulais faire. Si je m'étais inscrit à la faculté de droit, c'était précisément parce que je voulais travailler pour le KGB. Et vous aviez une vision un peu idéalisée du KGB et du renseignement, acquise à travers les films d'espionnage de ces années-là. Oui, c'est ça. Les livres, les films. Vous avez tout à fait raison, oui. Vous avez été en poste à Dresde de 1985 à 1990, mais les 10 premières années, vous êtes surtout resté à Leningrad. Oui, à Leningrad et à Moscou, dans des écoles spécialisées. L'Allemagne de l'Est, dans les années 1980, c'était plutôt sinistre. Je vais vous dire, sinistre n'est pas le mot juste. C'était plutôt une société qui était restée figée dans les années 50. C'était une drôle d'époque. Vous êtes retourné à Moscou, vous avez assisté au début de la perestroïka. Vous savez, Gorbatchev et son entourage avaient clairement perçu que le pays avait besoin de changements. Mais aujourd'hui, je peux dire de façon certaine qu'ils n'avaient pas compris ce qu'il fallait changer, ni comment.
Mais c'était les idées de Gorbatchev. Il a dû vous influencer. Ce n'étaient pas les idées de Gorbatchev. C'était celle des socialistes utopistes français. Gorbatchev n'a rien à voir là-dedans. Je le répète, son mérite a été de sentir le besoin de changement, c'est vrai. Et il a essayé de réformer le système. Mais le problème, c'est que le système lui-même n'était pas bon. Comment pouvait-on faire pour changer radicalement le système tout en préservant le pays? Personne n'avait la réponse. Pas même Gorbatchev, et cela a mené à l'effondrement du pays. L'URSS s'est effondrée et la Fédération de Russie est née avec Eltsine. Oui, mais dans le même temps, notre système de protection sociale a été entièrement détruit. Des branches entières de l'économie ont soudain cessé de fonctionner. Le système de santé est tombé en ruine. L'armée était dans un état lamentable. Et des millions de gens sont passés sous le seuil de pauvreté. Tout cela, il ne faut pas l'oublier. Vous êtes installé à Moscou en 1996 et vous avez été chef du service fédéral de sécurité pendant 13 mois. Non, pas tout de suite. Quand j'ai emménagé à Moscou, j'ai d'abord travaillé à la direction des affaires de la présidence, au service des questions juridiques. Ensuite, j'ai été muté à l'administration présidentielle, où j'étais chargé du département principal de contrôle. Puis j'ai été nommé directeur du service fédéral de sécurité. À ce poste, j'imagine que vous avez dû voir l'ampleur du chaos. Ça devait être un vrai cauchemar. Bien sûr que je l'ai vu. J'ai souvent entendu des critiques à mon égard, des gens qui prétendent que je regrette l'effondrement de l'URSS. Tout d'abord, et c'est certainement le plus important, à la suite de cet effondrement, en l'espace d'une nuit, 25 millions de Russes se sont retrouvés en dehors des frontières de l'ex-URSS. Ça a vraiment été l'une des plus grandes catastrophes du XXe siècle. Ces gens vivaient à l'intérieur d'un seul et même pays. Ils avaient des liens familiaux, un travail, un logement. Ils avaient tous les mêmes droits. Et en l'espace d'une seconde, ils se sont retrouvés à l'étranger. Dans le pays, cela a entraîné des tensions qui ont fini par déboucher sur une véritable guerre civile. En octobre 1993, Russia was on the brink of civil war, with parliament deputies on one side and Boris Yeltsin and his supporters on the other. Yeltsin, who controlled tank divisions, would give the order to fire directly at the parliament building, with shells pounding the offices of the Supreme Soviet chairman and the vice president, who sided with the deputies. 2 days of street fighting left hundreds dead and injured. Bien sûr, j'ai vu tout cela très clairement, surtout quand je suis devenu directeur du service fédéral de sécurité. The United States continues to stand firm in its support of President Yeltsin because he is Russia's democratically elected leader. En 1999, vous montez en grade, vous devenez Premier ministre. Eltsine quitte ses fonctions en 2000. Quand on revoit les images de ses conférences de presse et de ses autres apparitions publiques, il est clair que Eltsine est rongé par l'alcool. Son cerveau est lent, il a du mal à articuler, il a le regard fixe. On dirait qu'il est en catatonie. Je ne me sens pas en droit de porter un jugement ni sur l'action de Gorbatchev, ni sur la personnalité d'Eltsine. Il avait ses problèmes, comme nous tous. Mais il avait aussi ses forces. Et l'une d'entre elles était de ne jamais se défausser, d'assumer ses responsabilités. Il a toujours assumé ses responsabilités. Mais ce que vous dites est vrai. On ne peut pas le nier, c'est un fait. Ухожу. Ухожу раньше положенного срока. Я понял, что мне необходимо это сделать. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками, с новыми лицами, с новыми умными, сильными,
énergичными людьми. Les premiers ministres se succèdent et tout d'un coup, c'est vous qui le devenez. Racontez-nous. C'est une histoire assez curieuse. Quand je suis arrivé à Moscou, comme je venais de Saint-Pétersbourg, je ne disposais d'aucun soutien. Je n'avais pas de relations bien placées dans la capitale. Je suis arrivé en 1996. Et le 1er janvier 2000, je suis devenu président par intérim. Je ne sais pas pourquoi Eltsine m'a choisi. Mais la première fois qu'il m'a proposé le poste, j'ai refusé. Vous avez refusé? Oui, il m'avait fait appeler dans son bureau pour m'annoncer qu'il voulait me nommer Premier ministre. Et qu'ensuite, il aimerait que je me présente au présidentiel. Je lui ai dit que c'était une responsabilité énorme, qui allait changer toute ma vie et que je n'étais pas sûr d'être prêt. Changer, de quelle manière? Cela faisait déjà longtemps que vous travailliez pour le gouvernement. Ce n'est pas comparable. Quand on est fonctionnaire, même de haut rang, on peut mener une vie quasiment normale. On peut voir ses amis, aller au cinéma, au théâtre. On n'a pas la responsabilité de tout ce qui se passe dans le pays et du destin de millions de gens. Endosser une telle responsabilité à ce moment-là, ce n'était pas facile. Et pour parler franchement, à l'époque, je ne savais pas quel projet Eltsine avait pour moi sur le long terme. Je ne savais pas non plus pendant combien de temps je pourrais rester à ce poste, parce qu'à tout moment, le président pouvait me dire « tu peux partir ». Moi, je ne pensais qu'à une chose, comment protéger mes enfants. Vraiment? Eh oui, qu'est-ce que vous croyez? Si on me renvoyait, je n'avais plus de garde du corps, plus aucune protection. Comment je faisais dans ce cas-là? Comment vivre? Comment assurer la sécurité de ma famille? Mais ensuite, je me suis dit que si le destin en avait décidé ainsi, je devais aller jusqu'au bout. À l'époque, je n'avais aucune assurance que je deviendrais président. Personne ne m'a donné aucune garantie là-dessus. Vous avez vu vos enfants pendant cette période et votre femme? Non. Je rentrais tard et je partais tôt. Je les voyais, bien sûr, mais peu. Vous vous leviez à 4h du matin? Vous arriviez à dormir? Non, je ne me suis jamais levé à 4h du matin. Je me couchais vers minuit, 1h, ou plus tard, 1h30, et je me levais vers 7h. Oui? Oui, j'ai toujours dormi environ 6-7 heures par nuit. Pas de cauchemar? Non. C'est une discipline qui vous vient de votre passé de militaire, du KGB. Ça vient sûrement du sport et du service militaire aussi, bien sûr. On dit que votre philosophie de la vie vous vient du judo. Oui. Le principe essentiel dans le judo, c'est ce qu'on appelle la voie de la souplesse. On peut et on doit être souple. Parfois, il faut savoir céder, mais seulement si cela vous assure la victoire. Vous êtes très discipliné. Sans discipline, j'aurai beaucoup de mal à travailler. Je n'aurai pas l'énergie nécessaire pour régler les affaires courantes, sans parler des affaires stratégiques. Il faut être en forme pour ça. Bien, nous sommes maintenant en 2000, vous remportez la présidentielle avec 53% des voix, mais les gens pensent que vous n'allez pas durer. Le pays traverse une période sombre, c'est la guerre en Tchétchénie, la situation est difficile. Oui, c'est vrai. La seconde guerre de Tchétchénie a éclaté en Russie en août 1999. Ça a été une épreuve terrible pour le pays. Et j'ai dû en assumer la responsabilité. One side says that it is fighting against terrorism, the other side says it is fighting for independence, and all the while bodies line the street amid the rubble of war. This is not the Middle East. This is the breakaway Russian Republic of Chechnya, little mentioned, but no less horrifying. Очень хочется по русской традиции.
и по традиции священной земли Дагестана, где мы с вами сегодня находимся, поднять этот бокал и выпить за память тех, кто погиб. Секундочку. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем за них. Обязательно. Но пить будем потом. Потом, тогда, когда эти задачи принципиального характера, вы о них все знаете, будут решены. On dit que vous avez accompli des choses très positives durant votre premier mandat, dans l'industrie, l'électronique, la pétrochimie, l'agriculture. Avec vous, le PIB a augmenté, le revenu moyen aussi, vous avez réformé l'armée, vous avez mis fin à la guerre en Tchétchénie, vous avez mis un terme aux privatisations. La Russie peut être fière de vous. Tout n'est pas vrai. Je n'ai pas arrêté le processus de privatisation. J'ai juste essayé de le rendre plus équitable. J'ai tout fait pour que les biens de l'État ne soient pas vendus au rabais. Nous avons mis un terme au plan de rachat frauduleux qui avait conduit à l'apparition de l'oligarchie et grâce auquel des gens étaient devenus milliardaires du jour au lendemain. Ces plans avaient fait perdre tout contrôle à l'État dans certains domaines stratégiques de notre économie ou avaient provoqué leur effondrement. Mon but n'était donc pas d'arrêter le processus de privatisation, mais de le rendre plus juste et plus structuré. Les oligarques l'ont sous-estimé quand il est devenu président. Ils ne pensaient pas qu'il resterait. Il y a différentes sortes d'oligarques. On leur avait assuré qu'on ne s'en prendrait pas à leurs biens et qu'au contraire, l'État allait dorénavant défendre la propriété. Les lois en vigueur jusque-là ne leur étaient pas très favorables. Mais la loi, c'est la loi. Ça aussi, ça fait partie des règles. La loi, c'est la loi. J'en ai parlé avec les grands patrons, nous avons eu une discussion très franche. Je leur ai dit que les anciennes pratiques devaient cesser, que la loi devait être plus juste, plus équitable, et que le monde des affaires devait assumer de plus grandes responsabilités dans le domaine social. Beaucoup de représentants du monde des affaires, une écrasante majorité en fait, ont respecté ces règles, qui leur convenaient parfaitement. Vous savez à qui ça n'a pas plu ? À ceux qui gagnaient leurs milliards, non pas grâce à leur talent d'entrepreneur, mais au don qu'ils avaient de tisser de bonnes relations avec le pouvoir. Cela, ça n'aura pas plu. Mais il n'était qu'une poignée. Vous avez fait reculer le taux de pauvreté de 2/3. C'est exact. Vous avez augmenté les retraites. Oui, considérablement. En 2000, le salaire moyen était de 700 roubles. En 2012, il était passé à 29 000 roubles. C'est exact. En 2004, au sommet de votre popularité, vous êtes réélu avec 70% des voix. Oui, même un peu plus. En 2008, comme vous ne pouviez pas vous présenter une troisième fois, vous devenez Premier ministre. Et là, vous continuez à travailler dur. Oui, j'ai travaillé dur et dans l'ensemble, j'ai fait du bon travail. Mais ce n'était pas moi le président du pays. Je sais tout ce qu'on a dit à cette période, chez nous comme à l'étranger. Mais il faut que vous sachiez que le président Medvedev a rempli pleinement ses fonctions et en toute indépendance. Il ne peut y avoir qu'un seul président dans un pays, celui qui a été élu par le peuple. En 2012, vous vous présentez de nouveau au présidentiel et vous l'emportez avec 63% des suffrages. Oui, c'est ça. Trois fois président, cinq tentatives d'assassinat, d'après ce qu'on m'a dit. Pas autant que Fidel Castro, que j'ai interviewé et qui en était à 50. Donc, il y en a eu 5. Oui, Castro m'en avait parlé. Il m'avait dit, tu sais pourquoi je suis encore en vie ? Pourquoi ? Parce que je me suis toujours occupé moi-même de ma sécurité. Mais moi, je fais mon travail. Et mes officiers de la sécurité font le leur. Et jusqu'à présent, ils ont plutôt bien travaillé. Vous faites confiance à votre service de sécurité ? Oui. Quand on veut assassiner un président, on commence par infiltrer son service de sécurité. Je sais. On a un dicton en Russie. Ceux dont le destin est de finir pendu ne se noient pas. Quel est votre destin ? Vous avez une idée ?
Seul Dieu connaît notre destin, le mien comme le vôtre. Mourir dans son lit, peut-être. On finit tous par mourir un jour. L'important, c'est ce qu'on a réussi à accomplir dans ce monde éphémère, et de profiter de la vie. Vous avez eu une dure journée. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Je suis content de vous retrouver. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était en juin. Oui. Je vous ai manqué. J'ai versé quelques larmes, mais j'ai pris mon mal en patience. Je suis sûr que vous avez dû avoir d'autres raisons de pleurer. Pardonnez-moi, je viens de faire une petite sieste pour rattraper mon décalage horaire. Vous avez de la chance. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui ? J'ai travaillé, j'ai vu mes collègues, on a discuté de questions de politique intérieure, de sécurité et aussi d'économie. Je me suis entretenu plusieurs fois avec le ministre des Finances et avec mon conseiller aux affaires économiques. Voilà ma journée, en gros. J'ai aussi vu le président du Parlement, le ministre de la Défense et le ministre de l'Intérieur. Et donc ? Et pas de conseil des ministres ? Non, pas aujourd'hui. On m'a dit qu'il y avait une réunion du Conseil national de sécurité. Oui, il y a plusieurs années, j'ai mis sur pied un petit groupe composé des chefs des services secrets et des services de sécurité. On l'appelle le Conseil de sécurité. Je vois. Pas de crise, rien de particulier. Non, on se réunit une fois par semaine. Je vous demande ça parce que nous devions nous voir à 15h et il est 21h40. Je savais que vous aviez besoin de dormir un peu. Mais il n'y a pas eu de crise, d'imprévu. Non, il n'y a pas eu de crise, c'est la routine. Mais tout s'enchaîne. Quand on prévoit de parler 10 minutes avec quelqu'un, s'il pose sans cesse des questions, les 10 minutes ont vite fait de devenir une heure. C'est très difficile d'arrêter la machine une fois qu'elle est en marche. Cela me conduit à une question qui me tient à cœur. J'en parlais un peu plus tôt avec Fernando, mon producteur. Il dit que vous êtes un excellent PDG et que la Russie est votre entreprise. Dès qu'un problème surgit, vous essayez de le traiter sur le champ. Oui, c'est vrai. Disons que pour un problème donné, on entre dans le détail, des détails de plus en plus petits, ils prennent bientôt toute la place et sans qu'on s'en rende compte, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ça doit être frustrant de se coucher sans avoir réussi à trouver la solution. Ce qui m'intéresse, c'est le processus de résolution des problèmes. J'essaie d'y mettre de la créativité. Si un peintre est en train de faire un tableau et qu'il a un déjeuner, est-ce qu'il doit poser son pinceau et y aller? Je ne pense pas que ça se passe comme ça. Le peintre aura sûrement envie de terminer ce qu'il est en train de faire avant d'aller se détendre. Il dit qu'il a besoin d'y mettre la touche finale. J'aime aller au bout des choses. Je ne veux pas me comparer à un artiste, mais le processus de décision rappelle un peu le processus créatif. Tout ça renvoie à une question plus large. Depuis 15 ans, vous avez été président, premier ministre et de nouveau président. Je suis sûr que vous connaissez cette anecdote au sujet de Ronald Reagan, qui est l'un des présidents les plus admirés de mon pays parmi les conservateurs, bien sûr. Il était connu pour respecter son emploi du temps à la lettre et il rentrait chez lui à la Maison-Blanche avant 18 heures. Pour dîner tous les jours devant la télé avec son épouse. C'était un homme heureux. Il était très organisé. C'était bien sûr l'une de ses grandes qualités. C'est ce que je veux dire. C'était un homme souriant, il était à l'aise avec tout le monde. Il aimait grignoter ses bonbons et raconter des blagues. Il n'hésitait pas à déléguer à ses équipiers. Je vous parle de lui parce que c'est une autre façon de vivre. Il y a deux problèmes. Trouver les bonnes personnes et savoir déléguer. Vous semblez partisan de la méthode dure. Peut-être. Mais je sais ce que je dois faire et j'essaie de bien le faire. Il y a une grande différence entre nous, cependant. Reagan était président des États-Unis, et quels qu'aient pu être les problèmes du pays à ce moment-là, ils n'étaient pas comparables à ceux que la Russie a dû affronter au tournant des années 1990-2000.
Mais Reagan vous dirait que non. L'Amérique n'avait plus un sou, plus rien ne fonctionnait, et c'était à lui d'apporter l'énergie positive dont le pays avait besoin. Et à cet égard, il a fait son boulot, il a fait naître ce sentiment positif, mais entendons-nous bien, ce n'était qu'un sentiment, une illusion. Mais être au bord de la faillite et être en faillite, ce n'est pas la même chose. Et certains vous diront que Reagan n'a fait qu'appauvrir un peu plus l'Amérique parce que la dette a augmenté énormément. Bien sûr, elle atteint combien aujourd'hui? 18 000 milliards? J'ai oublié. Elle est de 18 000 milliards de dollars. En Russie, elle représente 12% du PIB. 18 000 milliards aux États-Unis et environ 1 000 milliards en Russie. Ce qui compte, c'est le pourcentage de PIB que ça représente. Aux États-Unis, je crois que c'est aux alentours de 100%. Chez nous, le taux d'endettement est minimal. Il n'est que de 12 à 13 % et le niveau de nos réserves est assez élevé. La Banque centrale possède 360 milliards de dollars de réserves et en plus de cela, le gouvernement a deux fonds de réserve. Un de 80 milliards de dollars et l'autre de 70 milliards, avec lesquels on finance notre léger déficit. Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de 20% en 2015 et l'inflation était de 13%. De 12,9%. Ok. Quelle est la politique de la Banque centrale de Russie? La Banque centrale mène une politique monétaire très pondérée, qui est comprise et soutenue par les institutions financières internationales, y compris le Fonds monétaire international. Je croyais que vous n'aviez pas de dette auprès du FMI. Non, nous n'avons pas de dette. Je ne parle pas de notre endettement. D'ailleurs, la Russie a remboursé auprès du FMI non seulement sa dette, mais aussi celle de toutes les anciennes républiques soviétiques. Même la dette de l'Ukraine, qui s'élevait à 16 milliards de dollars. Mais je vous parlais de la politique monétaire. Nous sommes en contact régulier avec Mme Lagarde et avec d'autres collègues du FMI. Nous les informons de ce que nous faisons, nous écoutons leurs recommandations. Je sais donc très bien comment les autorités du FMI évaluent la politique de la Banque centrale de Russie. Et ils l'évaluent de façon positive. Vous parlez comme si le FMI était un partenaire de la Russie, comme si Wall Street voulait que la Russie réussisse, ce dont je doute. Au contraire, ne pensez-vous pas que Wall Street travaille activement à détruire l'économie russe, que c'est l'intérêt des États-Unis? Je ne parlais pas de Wall Street. Mais si on parle du gouvernement américain, il est certain qu'il considère la Russie comme un concurrent, surtout ces derniers temps. C'est la salle du trône. Voici le trône du tsar, de la tsarine et aussi de l'impératrice douairière. On dit que vous êtes le nouveau tsar. On lit ça sur toutes les couvertures de magazines. Ça vous fait rire? L'idée doit leur plaire, c'est sans doute pour ça qu'ils l'écrivent. Ils n'arrivent pas à se débarrasser des vieux clichés. Mais vous avez laissé le journaliste Charlie Rose dire que vous concentriez tout le pouvoir, que vous pouviez faire ce que vous vouliez. C'était très clair. Et c'est ce que pensent beaucoup d'Américains, qu'ici, il n'y a pas de contre-pouvoir, vous l'avez laissé dire. Excusez-moi. La question n'est pas d'avoir beaucoup de pouvoir, mais d'utiliser au mieux celui dont on dispose. Vous devriez abattre l'interprète alors. C'était vous ? Je ne pense pas qu'il ait bien compris où Rose voulait en venir. En anglais, c'était clairement « il est le tsar et il le sait ». So what? You know, people call me different names. Does the name fit? Il essayait de polémiquer, mais je n'avais aucune envie de le suivre sur ce terrain. Est-ce qu'il vous arrive de vous énerver? Vous êtes toujours si calme pour répondre aux questions. Vous n'êtes jamais dans un mauvais jour?
C'est vrai, non? Je ne suis pas une femme, je n'ai pas de mauvais jours. Maintenant voilà. Vous venez d'insulter 50% de la population américaine, ce sera mal pris. Je ne veux insulter personne. La nature est ainsi faite. Pour vous, une femme est forcément plus émotive. Vous ne vous laissez jamais envahir par vos émotions. Il y a un cycle naturel. L'homme en a sûrement un aussi, mais il est moins perceptible, sans doute. C'est tout. Nous sommes tous des êtres humains, c'est normal. Mais il ne faut pas perdre le contrôle. Question to President Bush: is this a man that Americans can trust? I'll answer the question. I looked the man in the eye. I found him to be very straightforward and trustworthy. We had a very good dialogue. I was able to get a sense of his soul. Qu'avez-vous pensé de ce commentaire? J'ai senti que c'était quelqu'un avec qui il était possible de s'entendre, d'engager un dialogue. Du moins, c'est ce qu'on pouvait espérer. Le 11 septembre, vous avez été un des premiers à l'appeler pour présenter vos condoléances et lui offrir votre aide. Oui. Le lendemain, on avait prévu des manœuvres de dissuasion nucléaire. Je les ai annulées et j'ai souhaité que le président des États-Unis le sache. Je comprenais bien sûr que face à une telle situation, un chef d'État avait besoin d'un soutien moral et politique. Et nous voulions le soutenir dans cette épreuve. Quand le président Bush a envahi l'Afghanistan, vous avez coopéré en installant des bases dans le Caucase et en Asie centrale pour faciliter le ravitaillement des troupes américaines en Afghanistan. Ce n'est pas tout à fait exact. Nous n'avons pas créé des bases spécialement pour ça. Nous avions des divisions basées au Tadjikistan depuis l'époque soviétique que nous avons transformées en bases dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui se développait en Afghanistan. Nous avons soutenu les États-Unis, nous les avons autorisés à transporter des armes à travers notre territoire. C'était encore vrai récemment? Oui. Nous pensons que cette coopération va dans le sens de nos intérêts nationaux. C'est un domaine dans lequel nous pouvons et nous devons unir nos forces. À l'époque, nous leur avons fourni des informations émanant de nos services de renseignement. La Russie a pourtant une histoire commune avec l'Afghanistan. Comment expliquez-vous que vous n'ayez pas su où était Ben Laden, ni même ce qu'il fabriquait? Non seulement cela, mais à quel point les positions d'Al-Qaïda en Afghanistan étaient affaiblies à ce moment-là. Ce n'est pas nous qui avons favorisé l'apparition d'Al-Qaïda. Ce sont nos partenaires américains. Tout a commencé à l'époque de la guerre soviéto-afghane. Les services secrets américains ont soutenu divers mouvements fondamentalistes islamistes qui luttaient contre les forces soviétiques. Les Américains ont favorisé la naissance d'Al-Qaïda et l'apparition de Ben Laden. Mais ensuite, ils ont perdu le contrôle. Ça se passe toujours comme ça. Nos partenaires américains auraient dû le savoir. C'est de leur faute. Bill Casey, le directeur de la CIA sous Ronald Reagan, s'est efforcé de soulever les musulmans du Caucase et de l'Asie centrale contre l'URSS. Son projet n'était pas simplement de battre l'URSS en Afghanistan, mais grosso modo de changer le régime en URSS. Le problème, c'est que ces idées ne sont pas mortes. Et quand des troubles ont éclaté en Tchétchénie et dans le Nord Caucase, les Américains les ont malheureusement soutenus. La guerre froide était derrière nous. Nous avions des relations franches avec le monde entier, avec l'Europe, les États-Unis. Nous comptions sur leur soutien, bien sûr. Et au lieu de ça, nous avons découvert que les services secrets américains soutenaient les terroristes. Je vais vous dire une chose très importante. À l'époque, nous avons compris une chose. Nos partenaires américains soutiennent la Russie en parole, assurent qu'ils sont prêts à coopérer dans la lutte contre le terrorisme,
Mais en fait, ils utilisent ces terroristes pour fragiliser la politique intérieure de notre pays. Quels ont été les moments les plus durs de la guerre en Tchétchénie? La première guerre, la deuxième, quelles années? J'aurais du mal à le dire précisément. Mais la deuxième guerre de Tchétchénie, comme on l'appelle, a éclaté parce que des gens dans la population civile du Daghestan, qui est aussi une république musulmane, ont pris les armes contre les terroristes. Je me souviens très bien qu'au Daghestan, des gens nous ont violemment pris à partie. Si la Russie ne veut pas nous défendre, donnez-nous des armes et nous nous défendrons nous-mêmes. Les Américains œuvraient en sous-main. Vous dites que vous avez des preuves qu'ils soutenaient les Tchétchènes. Bien sûr. Pour ce qui est du soutien politique et en termes de renseignement, il n'y a pas besoin de preuves. C'était évident pour tout le monde. Ils le faisaient ouvertement. Repeating like a mantra that this is an internal Russian affair, which in effect legitimated the Russian action. And then on top of it, senior administration spokesmen have engaged in a vilification of the Chechens. Pour ce qui est du soutien financier, nous avons quantité de preuves. Nous en avons présenté certaines à nos collègues américains. J'en ai parlé au président Bush une fois. Je lui ai donné les noms d'agents secrets américains qui travaillaient au Caucase et qui ne se contentaient pas d'apporter un soutien politique, mais aussi un soutien technique aux combattants, en les transportant d'un endroit à un autre. Le président Bush a eu une très bonne réaction. Il m'a dit « je vais m'en occuper ». Mais après cela, nous avons reçu par le biais de nos réseaux un courrier de la CIA qui disait « Nos collègues s'estiment en droit de maintenir des liens avec tous les représentants de l'opposition et ils poursuivront en ce sens ». Il était clair qu'il ne parlait pas seulement des opposants politiques, mais des structures et des organisations terroristes. Elles étaient présentées comme des forces d'opposition traditionnelles. Et tout ça pendant qu'ils combattaient le terrorisme en Afghanistan. Ça semble tout à fait contradictoire. Nous sommes habitués à ces contradictions. Je suppose que ce courrier est top secret. Nous ne pouvons pas y avoir accès. Je pense que ce ne serait pas très correct. Ce que je viens de dire est suffisant. George se souvient sûrement de notre discussion. Du moins, je l'espère. Today we welcome Hungary, Poland, the Czech Republic. Finally erasing the boundary line the Cold War artificially imposed on the continent of Europe. Strengthening an alliance that now clearly is better preserved to keep the peace and preserve our security into the 21st century. Our goal is to help to build a Europe that is undivided, free, democratic, at peace, and secure. Today we proudly welcome Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, Slovakia, and Slovenia. We welcome them into the ranks of the North Atlantic Treaty Organization. This is a special moment in the hopeful story of human liberty. As America formally declares its support for Albania and Croatia's entry into NATO.
J'ai entendu de la bouche de M. Gorbatchev et de responsables américains, dont James Baker, qu'il y avait eu un accord avec l'URSS pour ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. Oui. Quand on a étudié la question de la réunification allemande et du départ des troupes soviétiques d'Europe de l'Est, les responsables américains et le secrétaire général de l'OTAN, je crois que c'était M. Werner à l'époque, ont tous affirmé que l'URSS pouvait être sûr d'une chose. La frontière orientale de l'OTAN ne serait pas déplacée plus loin que la frontière actuelle de l'Allemagne de l'Est. Et ça n'a pas été respecté. Rien n'avait été couché sur le papier. C'est une erreur de Gorbatchev. En politique, il faut toujours mettre les choses sur papier. Gorbatchev s'est contenté de parler avec les Américains. Mais ça ne se passe pas comme ça. L'OTAN a été créée quand il y avait une confrontation entre deux blocs, le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest, entre ce qu'on appelait les deux camps. Mais le pacte de Varsovie n'existe plus, l'Union soviétique non plus. Il faut se poser la question, à quoi sert l'OTAN? J'ai l'impression que pour justifier son existence, l'OTAN a besoin d'un ennemi. Elle est donc sans cesse en train d'en chercher un ou de chercher des actes de provocation pour pouvoir en désigner un. The unipolar world that had been proposed after the Cold War did not take place either. However, what is a unipolar world? However one might embellish this term, at the end of the day, it refers to one type of situation. Namely, one center of authority, one center of force, one center of decision-making. It is a world in which there is one master, one sovereign, and at the end of the day, this is perniscuous not only for those within this system, but also for the sovereign itself, because it destroys itself from within. One state, and of course, first and foremost, the United States, has overstepped its national borders in every way. This is visible in the economic, political, cultural, and educational policies it imposes on other nations. Aujourd'hui, l'OTAN n'est qu'un outil de la politique extérieure américaine. Les États-Unis n'ont pas d'alliés, uniquement des vassaux. Quand un pays devient membre de l'OTAN, il a beaucoup de mal à s'opposer à la pression émanant d'un pays aussi important que les États-Unis, qui pilote l'organisation. Il peut soudain voir apparaître sur son territoire un système de défense antimissile balistique, de nouvelles bases militaires et même, si besoin, des armes offensives. Et nous, que devons-nous faire face à cela? Nous devons prendre des contre-mesures, c'est-à-dire mettre dans la ligne de mire de nos missiles les installations qui, selon nous, commencent à représenter une menace. C'est ainsi qu'apparaissent les tensions. Pourquoi réagissons-nous de façon si épidermique à l'élargissement de l'OTAN? Nous comprenons très bien la raison d'être de l'OTAN, ou plutôt le fait qu'elle n'en a plus, mais aussi le danger que représente pour nous cette organisation. Qu'est-ce qui nous inquiète au juste? C'est le mode de prise de décision. Je sais comment les décisions sont prises. Je me souviens de l'une de nos dernières rencontres avec le président Clinton. Il était venu à Moscou. Au cours de la discussion, je lui ai demandé si on ne pourrait pas envisager que la Russie intègre l'OTAN. Clinton m'a répondu qu'il n'était pas contre, mais toute la délégation américaine est soudain devenue très nerveuse. Et vous avez fait la demande ? Pourquoi les Américains étaient-ils si nerveux? Parce que si la Russie intégrait l'OTAN, elle aurait toujours voix au chapitre. Et nous ne nous laisserions jamais manipuler. Mais nos amis américains ne l'accepteront jamais. Si vous faisiez partie de l'OTAN, vous devriez partager vos données sur le nucléaire avec les États-Unis. Après l'effondrement de l'Union soviétique et le changement de notre système politique, nous avons fait preuve d'une ouverture telle, y compris vis-à-vis des Américains, que cela a même englobé la situation de nos forces nucléaires. On n'avait quasiment plus aucun secret. Les observateurs américains ont eu accès à l'une de nos plus importantes usines de fabrication de composants nucléaires, et ce, de façon permanente.
On a vraiment tout mis sur table. Et cela ne représentait pas une menace pour nous. Mais chez vous, ce qui est curieux, c'est que les présidents changent, mais pas la politique. En tout cas, pas sur les questions de principe. Autrefois, les Soviétiques étaient très réalistes vis-à-vis de la politique des Américains. Ils essayaient toujours de comprendre leurs intentions. Je ne sais pas si vous avez toujours des groupes d'experts chez vous, j'imagine que oui, qui vous disent de façon très précise quelles sont les intentions des États-Unis. Oui, bien sûr. À mon avis, quand on pense qu'on est la seule puissance mondiale et qu'on tente de faire entrer cette idée dans la tête de millions de gens, on fait naître des réflexes impérialistes au sein de cette société. Et cela exige une politique extérieure qui soit en accord avec ces attentes. Les dirigeants du pays sont donc obligés de respecter cette logique. Mais en réalité, cela ne va pas dans le sens des intérêts du peuple américain. C'est ainsi que je vois les choses. Parce qu'au final, cela est source de problèmes et de conflits. Cela démontre aussi qu'il est impossible de tout contrôler. Je crois que cela a toujours été comme ça aux États-Unis. La Russie est leur ennemi désigné. Elle l'était sous le communisme, elle l'est sous le poutinisme. C'est l'ennemi par excellence. Après la Seconde Guerre mondiale est apparu le système des deux blocs. Je pense que l'Union soviétique a fait alors une erreur stratégique. Mais à cette époque, elle réagissait de façon assez primaire et doctrinaire. Elle a ainsi fourni un prétexte aux États-Unis et aux pays européens pour créer l'OTAN et s'engager dans la guerre froide. Je pense que lorsque les États-Unis se sont sentis à la tête du soi-disant « monde libre », d'autant plus après la chute de l'Union soviétique, ils ont soudain eu l'illusion qu'ils pouvaient tout se permettre et en toute impunité. C'est un piège parce que, dans une telle situation, et le dirigeant et le pays vont commencer à commettre certaines erreurs. On ne ressent plus le besoin d'analyser les situations ni de penser aux conséquences de sa politique. Le pays ne sait plus bien fonctionner, il enchaîne les erreurs. C'est dans ce piège que les États-Unis ont fini par tomber, selon moi. C'est toute la question. Où en sont les États-Unis? Quelle est leur stratégie dans le monde? Je répondrai très précisément et très franchement à cette question, mais seulement quand je serai à la retraite. Je peux vous dire ce que j'en pense, et vous pourrez réagir. Je sais que beaucoup de gens bien renseignés pensent que la stratégie américaine est de détruire l'économie russe pour la faire régresser à son niveau des années 90. Les États-Unis veulent changer le leadership russe pour faire de ce pays un allié. En gros, ils veulent dominer la Russie comme par le passé. Les États-Unis pensent qu'ils ne sont pas allés assez loin, qu'ils auraient pu la priver de son arsenal nucléaire. C'est une théorie envisageable. C'est tout à fait possible. Mais si c'est le cas, je pense que c'est une politique erronée. Parce qu'elle n'envisage pas les relations avec la Russie dans une perspective d'avenir. Les gens qui pensent ainsi ne se projettent pas dans les 25 à 50 prochaines années. S'ils le faisaient, ils envisageraient leur relation avec la Russie sous un angle très différent et ils n'essaieraient pas de faire de la Russie leur vassal. Je comprends. La Russie ne lâchera rien. Sous Staline, les Russes ont donné leurs bijoux, tous leurs biens, pour soutenir leur gouvernement contre les nazis. C'était bien plus qu'une question d'argent. C'était leur vie qu'ils jouaient. Notre peuple s'est battu jusqu'à la dernière goutte de sang, pas jusqu'à son dernier kopeck. La chose la plus importante en Russie, c'est son peuple, sa conscience collective, sa façon d'être. Et ce peuple ne peut pas exister sans la souveraineté de son État.
C'est cela que nos partenaires doivent prendre en compte pour construire avec nous des relations justes et durables, plutôt que d'employer la menace nucléaire. Ainsi, nous n'aurions plus à dépenser autant pour la défense. Jugez par vous-même, l'an dernier, en équivalent dollar, nous avons dépensé 40 milliards pour la défense. Et les États-Unis, plus de 460 milliards, plus de 10 fois plus. Et pour le budget de l'année en cours, celui de 2016, c'est plus de 600 milliards. C'est totalement démesuré, ça représente plus que les budgets de défense de tous les pays du monde réunis. Nous avons des élections en Amérique cette année. Aucune de ces questions, l'environnement, quelles alliances établir, n'ont été abordées. La rhétorique est celle de la force, pas de concession. On relance l'effort militaire. Et c'est le cas des deux côtés, y compris chez Hillary Clinton, qui a vraiment viré néoconservatrice en faveur de la ligne dure vis-à-vis de la Russie. Elle a d'ailleurs soutenu l'intervention en Syrie. And we have to send a very clear message to Putin that this kind of belligerence, this kind of testing of boundaries will have to be responded to. In addition to that, the Pentagon. Et pour couronner le tout, le Pentagone a récemment affirmé par la bouche du général Joseph Dunford que la Russie constituait la principale menace pour les États-Unis. Il a fait une déclaration très musclée. If you want to talk about a nation that could pose an existential threat to the United States, I'd have to point to Russia. And if you look at their behavior, it's nothing short of alarming. Nous savons tout cela, et nous ne pouvons bien sûr pas nous en réjouir. Pourtant, nous avons toujours été prêts au dialogue, dans quasiment tous les domaines. Mais durant leurs campagnes électorales, les États-Unis ont malheureusement pris la mauvaise habitude d'user et d'abuser de la question russe. Ensuite, on nous dit de ne pas y prêter attention, que c'est juste de la rhétorique de campagne. Nous nous mettrons d'accord après. Mais sacrifier des relations entre gouvernements et entre États sur l'autel d'un processus électoral est une grande erreur, selon moi. J'ai beaucoup aimé assister aux commémorations. Les défilés, cette précision, cette fierté. J'ai bien aimé les colonnes de femmes aussi. C'était la première fois qu'elle participait au défilé. Monsieur Gorbatchev était là, lui aussi. Vous n'êtes pas allé le saluer. Le protocole veut qu'il soit invité à toutes les cérémonies officielles. Il ne s'est pas arrêté pour le saluer en sortant. Je ne l'ai pas remarqué. Vous ne le voyez jamais? Si, je l'ai invité au Kremlin et il est venu me voir dans mon bureau. Il y a très longtemps. Oui, il y a plusieurs années. Il vous soutient évidemment sur la question de l'OTAN. Oui, sur l'OTAN et aussi sur la Crimée, si j'ai bien compris. Il a ses opinions à lui. Nous sommes d'accord sur certains sujets et pas sur d'autres. Je regrette que l'ambassadeur des États-Unis ne soit pas venu.
I have concluded the ABM treaty hinders our government's ability to develop ways to protect our people from future terrorists or rogue state missile attacks. Today, I have given formal notice to Russia. The United States of America is withdrawing from this almost 30-year-old treaty. Durant des années, ce traité a été la pierre angulaire de tout le système de défense internationale. Il a vraiment servi de fondement à la sécurité internationale. C'est le président Clinton qui m'a le premier persuadé de soutenir la sortie des États-Unis du traité. Il n'y avait aucune raison à cela. Il disait que l'Iran représentait un danger. Ensuite, le président Bush a essayé de me convaincre, lui aussi. La Russie avait proposé de travailler sur le système de défense de missiles antibalistiques de façon conjointe avec les États-Unis, la Russie et l'Europe. Au final, malheureusement, nos partenaires ont refusé notre proposition. Pour conserver l'élément le plus important de la stabilité internationale, c'est-à-dire l'équilibre des forces stratégiques, nous avons été obligés de développer notre système de défense antimissile afin de pouvoir l'opposer à n'importe quel système de défense antibalistique. Leur réponse a été simple. Le système de défense que nous mettons en place n'est pas dirigé contre la Russie. De votre côté, faites ce que vous voulez. Nous considérerons que ce n'est pas dirigé contre les États-Unis. Je leur ai répondu, très bien, faisons cela. Et c'est ce qu'on a fait. Le système que nous contemplons ne va pas undermine Russia's deterrent, ou les principes de mutual deterrence et stratégique stabilité. The missile defense capabilities we are developing are not designed to defend against Russia. Just as the new NATO we are building is not designed to defend against Russia. The Cold War is over. Russia is not our enemy. Okay, so no rules. Okay, donc plus de règles, ou plutôt de nouvelles règles, les règles américaines. Pour nous, la Russie fait face à deux menaces. La première, c'est l'emplacement de ces missiles antibalistiques tout près de nos frontières, dans les pays d'Europe de l'Est. La deuxième, c'est que les rampes de lancement de ces missiles peuvent être modifiées en quelques heures pour devenir des rampes de lancement de missiles offensifs. Regardez, si en Europe de l'Est, il y avait des installations sur terre et sur mer, sur des navires qui croiseraient dans les mers septentrionales et en Méditerranée, et même en Alaska, quasiment tout le territoire russe serait encadré par ces systèmes d'armement. Ce serait à nouveau une grossière erreur stratégique de la part de nos partenaires. Car la Russie répondrait proportionnellement. Nous entrerions à nouveau dans un cycle de course aux armements. De plus, cette réponse nous coûterait beaucoup moins cher. Elle serait peut-être moins sophistiquée, mais plus efficace. Et ainsi, nous conserverions cet équilibre stratégique. L'équilibre, c'est quelque chose de très important. C'est une chose à laquelle Reagan et Gorbatchev sont presque parvenus en 1986. À un moment, ils voulaient même aller jusqu'au bout, jusqu'à un désarmement complet. Souvenez-vous comment s'est développé le projet atomique. Quand les États-Unis ont construit la bombe atomique et que l'Union soviétique s'est mise elle aussi à développer activement son propre programme, des scientifiques étrangers travaillaient en Russie, surtout des Allemands.
Mais nos services de renseignement recevaient énormément d'informations des États-Unis. Vous devez vous souvenir des époux Rosenberg, qui ont fini sur la chaise électrique. Ce n'était pas eux qui avaient obtenu des informations, ils n'avaient fait que les transmettre. Qui les obtenait ? Les scientifiques eux-mêmes, ceux qui développaient la bombe atomique américaine. Pourquoi ont-ils fait cela? Ils comprenaient à quel point c'était dangereux. Ils comprenaient qu'ils faisaient sortir le génie de la bouteille et qu'on ne pourrait jamais plus l'y remettre. Cette équipe internationale de scientifiques devait être un peu plus intelligente que les politiques. Ils ont tout à fait consciemment transmis ces informations à l'Union soviétique pour qu'il y ait un équilibre nucléaire dans le monde. Et que fait-on maintenant? On essaie de détruire cet équilibre. C'est une grossière erreur. Alors vous devriez arrêter de les appeler vos partenaires. Vous le dites trop souvent. Nous devons poursuivre le dialogue. Vous devriez me souhaiter un bon 4 juillet. Oui. Bonne fête. C'est notre fête de l'indépendance. Oui, oui, je sais. Donc, en cas de guerre, les États-Unis auraient le dessus? Oui ou non? Non. Non. Est-ce que la Russie survivrait? Je pense que personne n'y survivrait. Même avec le bouclier antimissile? À l'heure actuelle, le bouclier antimissile américain ne suffirait pas à défendre le territoire américain. Je pense même qu'il représente un danger, car il peut donner le sentiment illusoire que l'on est protégé. Cela peut engendrer une conduite plus agressive. Il ne faut pas accepter d'action unilatérale. Voilà pourquoi nous avions proposé de travailler conjointement sur un système de défense antibalistique. C'est quelque chose que Kennedy avait déjà proposé à Nikita Khrouchtchev en 1963. Puisque vous évoquez cet épisode, j'aimerais rappeler qu'il a commencé avec la crise de Cuba. Je ne suis pas un grand admirateur de Khrouchtchev, mais sa décision de placer des missiles soviétiques à Cuba avait suivi celle des Américains d'en installer en Turquie, territoire à partir duquel il était facile d'atteindre l'Union soviétique. Khrouchtchev a répondu aux États-Unis en déployant des missiles à Cuba. Il n'a pas été l'initiateur de cette crise. Je sais, c'était une drôle d'époque. Stanley Kubrick, un réalisateur que j'admire beaucoup, a fait un film magnifique, Docteur Folamour ou Comment j'ai appris à aimer la bombe. Vous l'avez vu? Non. Ah, il faut que vous le voyez, c'est un classique. À l'époque, John Kennedy était confronté à un système militaire qui s'était développé depuis la fin de la guerre. Les généraux américains savaient que l'Union soviétique était bien inférieure sur le plan militaire. Ils étaient nombreux à dire que c'était le moment idéal pour l'attaquer. Il y avait des velléités de frappes unilatérales. Kennedy leur a dit « Vous êtes fous ». Et comme la tension montait par ailleurs à Berlin et à Cuba, la situation était explosive. L'Amérique a opéré un virage à droite depuis Reagan. Maintenant, on a Hillary Clinton à gauche, enfin, si on peut appeler ça la gauche, qui a fait des déclarations très agressives au sujet de l'Ukraine. En allant jusqu'à comparer M. Poutine, à Hitler. Now, if this sounds familiar, it's what Hitler did back in the 30s. The ethnic Germans, the Germans by ancestry, who were in places like Czechoslovakia and Romania and other places, Hitler kept saying they're not being treated right. I must go and protect my people, and that's what's gotten everybody so nervous. Tout ça n'a rien de nouveau pour nous. Nous nous connaissons personnellement, c'est une femme énergique. Nous aussi, nous pourrions jouer au jeu des comparaisons, mais notre culture politique nous interdit de tomber dans des jugements à l'emporte-pièce.
Les États-Unis n'ont jamais vraiment connu de guerre sur leur territoire. Et pour beaucoup de gens influents, la guerre est un peu comme un jeu. C'est ce qui m'inquiète aux États-Unis avec ce mouvement néoconservateur va-t-en-guerre qui n'a de cesse de vouloir imposer ses idées. C'est dangereux. Moi aussi, ils me font peur. Hello, Dimitri. Listen, I can't hear too well. Do you suppose you could turn the music down just a little? Oh, that's much better. Yes. Now then, Dimitri, you know how we've always talked about the possibility of something going wrong with the bomb. The bomb, Dimitri. The hydrogen bomb. Well, now, what happened is one of our base commanders, he had a sort of, well, he went a little funny in the head. You know, just a little funny. And he went and did a silly thing. Well, I'll tell you what he did. He ordered his planes to attack your country. Is that the whole point of the doomsday machine? Is lost. If you keep it a secret, why didn't you tell the world, eh? It was to be announced at the party congress on Monday. As you know, the premier loves surprises. Beaucoup de ces images étaient inconnues à l'époque. C'est le film qui les a révélées. Merci de m'avoir accordé ce plaisir. Le premier secrétaire russe est excellent. Dimitri. Il y a vraiment des choses qui donnent à réfléchir dans ce film. Même si c'est une histoire très fantaisiste, beaucoup de questions très sérieuses sont abordées. Elles mettent en garde contre de réels dangers. Du point de vue technique, ce film a même anticipé certaines choses. Cette idée d'hiver nucléaire, de fin du monde, les scientifiques à l'origine de la bombe H en parlaient déjà à la fin de la guerre, mais ça n'a pas arrêté Truman. Très peu de choses ont changé, en fait, depuis cette période. La seule différence, c'est que les systèmes de défense actuels sont plus complexes. Mais cette idée d'armes de représailles et l'impossibilité de contrôler totalement ces systèmes de défense sont toujours assez actuels. Ils sont toujours plus complexes et toujours plus dangereux. Je veux bien le croire. Merci. Au revoir. Ah, ces Américains. Au revoir. Bonjour, Monsieur Stone. Magnifique maillot, un vrai super-héros. Quand je descends sur la glace, je me sens toujours un peu disproportionné. J'essaierai de ne pas vous décevoir. On vous regardera des tribunes. Vous avez des conseils à donner? Ne faites pas que me regarder, il faut aussi m'encourager. C'est pour ça que vous êtes venu, non? Vous avez dit aux autres joueurs combien de buts vous vouliez marquer? Non, on ne peut pas le savoir à l'avance. C'est ça, le sport. Il faut tout faire pour gagner, mais on ne connaît pas le résultat à l'avance. Vos adversaires vous plaquent aussi fort qu'ils le voudraient? Pourquoi ils hésiteraient? Tout va bien se passer. Ah.
Vous avez commencé le hockey à 40 ans? Non, il y a tout juste 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans? À l'âge de 60 ans. Vraiment? À 50 ans? 60 ans. Ah, 60, pardon. Et je suis toujours sur l'idée que vous en avez 53. Je ne savais pas faire de patins. J'ai entendu dire ça, oui. C'est toujours intéressant d'apprendre de nouvelles choses. Vous êtes tombé une fois, non? 2 fois même, je crois. Vous étiez fatigué? Non, j'ai trébuché, c'est tout. Vous n'avez pas mal aux jambes? Non. À votre âge? Allons. Non, ça va. Si on le plaque, il risque de se casser quelque chose, non? Ça peut arriver. Mais on n'y peut rien, c'est le sport. J'ai fait du judo toute ma vie et, Dieu merci, je ne me suis jamais blessé gravement. Et si dans une des équipes de Russie, un joueur déclarait son homosexualité, vous essayeriez d'étouffer l'affaire? Il n'y a aucun ostracisme chez nous, aucune pression liée aux préférences sexuelles. Beaucoup de gens affichent clairement leur orientation sexuelle non traditionnelle et nous continuons à entretenir des liens avec eux. Beaucoup font des parcours d'exception dans leur domaine. Et ils sont décorés pour cela. Il n'y a aucun ostracisme. Mais la loi anti-propagande. Il y a une loi qui interdit de faire la propagande de l'homosexualité chez les adolescents. Cette loi est là pour permettre aux enfants de grandir tranquillement, sans subir aucune influence. Une fois que l'enfant est grand, il peut choisir librement comment il veut construire sa vie, privée comme sexuelle. À partir de ce moment-là, quand il atteint la majorité, c'est-à-dire à 18 ans, chez nous, il n'y a plus aucune restriction. De façon générale, il n'y a aucune restriction. Vous avez beau dire, il y a une tradition macho en Russie, très forte même. Vous avez peut-être en partie raison. Mais on n'a quand même pas une situation comparable à celle de certains pays musulmans, où l'homosexualité est encore punie par la peine de mort. Oui, c'est différent. Notre société est assez libérale de façon générale. Est-ce que c'est vrai dans l'armée aussi? Il n'y a aucune interdiction. Pas d'interdiction? Si vous prenez une douche dans un sous-marin avec un homme dont vous savez qu'il est gay, ça pose un problème? Personnellement, je préfère ne pas aller prendre ma douche avec lui. Pourquoi j'irais le provoquer? Je suis maître judoka et de sambo. En tant que chef d'État, je considère de mon devoir de défendre les valeurs traditionnelles et familiales. Pourquoi? Parce que les mariages homosexuels ne produisent pas d'enfants. Le taux de natalité est préoccupant dans notre pays. Nous devons renforcer ces valeurs. Mais cela ne veut pas dire qu'il faille persécuter qui que ce soit. Si je peux me permettre, dans n'importe quelle société, il peut y avoir des enfants orphelins, et ces orphelins pourraient être adoptés par des parents de même sexe. Oui, ça c'est possible. Je ne pense pas que notre société soit prête à l'accepter facilement. Je vous le dis franchement. Selon moi, un enfant sera plus libre dans son choix, arrivé à l'âge adulte, s'il a été élevé dans une famille traditionnelle. Gay people across Russia say there's been a surge of intolerance, discrimination, and violence. And it started around the time Russia's parliament passed what's become known as the Gay Propaganda Law. Moscow is not Sodom. We are here to support normal people that want to create families. Il paraît que vous faites du sport tous les jours, 5 jours par semaine? Tous les jours. 7 jours sur 7? Oui. Non, c'est trop. Non, c'est très bien. Piscine, puis en salle? Non, d'abord en salle, puis la piscine. Pour détendre les muscles, vous réfléchissez en nageant. Des idées vous viennent? Tout le temps. Votre inconscient vous parle? Vous méditez? Non, il me vient des tas de pensées idiotes quand je nage. C'est pour le badminton? Pour le tennis.
C'est le fondateur du judo. Elle vous plaît? Beaucoup, oui. Toute votre agressivité disparaît grâce au judo le matin ou au sport? Oui, j'essaie. Mais il faut quand même de l'adrénaline pour combattre. Vous avez un entraîneur? J'en ai eu un autrefois. Aujourd'hui, je me considère comme un maître judoka. En fait, il faut un entraîneur quand on fait de la compétition. Moi, je ne le pratique que comme exercice. Et j'en ai fait toute ma vie depuis l'âge de 13 ou 14 ans. Ça vous a beaucoup aidé. Je ne me suis jamais arrêté. Nous avons aux États-Unis des magazines de politique étrangère comme Foreign Affairs, qui n'est pas beaucoup lu par le grand public, mais que je considère comme la voix officielle du gouvernement. Dans cette édition, ils ont fait appel à toutes sortes d'experts sur la Russie. Je vais reprendre certaines de leurs affirmations. Certains rêvent de ça, certains veulent y croire. C'est leur rêve. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Et ceux qui écrivent ça le savent très bien. Je comprends. Mais c'est une voix officielle qui est écoutée à Washington. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Il y a différentes sortes de gens, en Europe comme aux États-Unis, et il y a toutes sortes d'opinions. Il y a des gens qui se projettent à 25, 30, 35 ans, en essayant de voir à quel problème on sera confronté. Ceux-là n'ont pas la même attitude envers la Russie. Et il y a ceux qui n'envisagent la vie que d'une élection à l'autre, en ne pensant qu'à leur petit intérêt personnel. Après 2001, pourquoi avez-vous laissé l'armée américaine s'implanter en Asie centrale? Parce que nous sommes confrontés à une même menace, les terroristes formés en Afghanistan. Je pense que nous devons travailler ensemble, nous devons soutenir les États-Unis. De plus, le président américain m'a dit qu'il ne comptait pas laisser de troupes permanentes. Il m'a parlé de moins d'une décennie. D'ici quelques années, les troupes américaines se retireront. Il a dit qu'il ne comptait pas y rester pour toujours? Oui, il me l'a dit. Il nous a demandé de les aider encore quelques années, nous avons accepté. Je lui ai dit, bien sûr, nous vous aiderons. Quand est-ce que M. Poutine a ouvert les yeux? En 2007, à Munich, il porte un autre regard sur cette relation. Qu'est-ce qui s'est passé entre 2002 et 2003? Il y a l'invasion de l'Irak, ensuite il y a la révolution orange en Ukraine en 2004. Qu'est-ce qu'il se dit quand survient la révolution ukrainienne? Hundreds of thousands of pro-democracy Ukrainians in the streets today protested against the results of the presidential election, pitting their candidate, the west-leaning challenger Viktor Yushchenko, against the pro-Moscow prime minister Viktor Yanukovych. They claim Yanukovych's victory was rigged with reports of ballot stuffing and voter intimidation. Viktor Yanukovych avait remporté cette élection. Mais la rue n'a pas voulu l'accepter. Il y a eu des émeutes qui ont été activement soutenues par les États-Unis. Le gouvernement a ensuite déclaré qu'il y aurait un troisième tour aux élections, en violation totale de la constitution ukrainienne. Cela peut déjà être considéré comme un coup d'État. In Ukraine today, anti-government demonstrators finally had something to celebrate. The parliament voted to disband the government of the candidate who has been declared the winner of the disputed presidential election. Opposition leader Viktor Yushchenko joined his supporters in a victory celebration early this morning. With most votes counted, the Western-leaning economist leads by an insurmountable 9 percentage points. He thanked the hundreds of thousands who had taken to the streets to demand democratic change. Earlier, his opponent, the Soviet-style prime minister Viktor Yanukovych, looked defeated but conceded nothing. Viktor Yushchenko et Yulia Tymoshenko, tous deux pro-occidentaux, ont été portés au pouvoir. Je ne peux pas dire qu'on ait accueilli d'un bon œil ce changement. Mais nous avons tout de même continué de collaborer avec le gouvernement ukrainien. Je suis allé à Kiev, ils sont venus à Moscou. Nous nous sommes rencontrés dans des pays tiers. Nous avons mis en œuvre tous nos plans de coopération. Mais leur politique ne convenait pas au peuple ukrainien. Le mandat de M. Yushchenko a pris fin.
et M. Yanukovych a remporté les élections suivantes, sans qu'il y ait de contestation. Dans cette région, la diplomatie américaine tente d'éviter à tout prix un rapprochement entre l'Ukraine et la Russie. Certains y voient une menace, pensant que cela renforcerait la puissance de la Russie. Ils veulent donc empêcher ce rapprochement par tous les moyens. Il me semble que nos partenaires, européens comme américains, ont agi en se basant sur cette analyse plutôt que pour défendre la liberté de choix du peuple ukrainien. Ils ont soutenu les nationalistes ukrainiens les plus extrémistes. Si on se place de leur point de vue, ils sont gagnants. Ils ont atteint leur but. Bravo. Mais il faut étudier le problème sous un angle un peu plus large. Il ne faut pas réfléchir uniquement du point de vue de la confrontation actuelle, en essayant de placer des États satellites pour se protéger d'une soi-disant menace. Il faut se projeter dans 25 ans, en essayant de voir comment pourrait évoluer la situation. Alors on pourrait changer la philosophie des relations internationales. Vous avez laissé faire, mais à un moment donné, entre 2004 et 2007, à Munich, la roue a tourné. L'Irak était un désastre, l'Afghanistan aussi, et là, vous avez changé d'avis. À Munich, j'ai simplement donné notre point de vue sur la situation du moment. L'Union soviétique s'est effondrée. Les États-Unis et les pays européens n'ont plus d'ennemis. Pourquoi faudrait-il élargir l'OTAN? Contre qui? Pour assurer la sécurité de certains pays qui se sentent en danger, il n'est pas du tout nécessaire d'élargir l'OTAN. On peut signer des accords bilatéraux d'entraide et de non-agression. Ça ne sert à rien de faire de quelqu'un un ennemi. Il y a eu deux vagues d'élargissement. I can't wait to visit with my friend Vladimir Putin in Shanghai. To reiterate once again that the Cold War is over, it's done with, and that there are new threats that we face. Après ça, les États-Unis se sont retirés unilatéralement du traité sur les missiles antibalistiques. On nous dit toujours, ça ne vous concerne pas, la Russie n'est pas menacée. Tout ça est dirigé contre l'Iran. Mais aujourd'hui, le problème iranien est réglé. Un traité a été signé. L'Iran a renoncé à développer un programme nucléaire militaire. Les États-Unis ont accepté cette décision et des documents ont été signés. Pourtant, le programme de développement des missiles antibalistiques en Europe se poursuit à plein régime. Contre qui? On est obligé de réagir. On sait que Bush a soutenu l'offensive géorgienne en 2008. Nous avons été étonnés lorsque, à la suite de l'attaque lancée par le président géorgien Saakashvili, non seulement on n'a pas été soutenu, mais tout a été inversé et c'est la Russie qui a été désignée comme l'agresseur. Georgia is under attack from its neighbor Russia, and all day today they've been bombing Georgia from numerous warplanes specifically targeting civilian population. The United States of America stands with the democratically elected government of Georgia. Columns of Russian tanks and troops rolled into the American-backed former Soviet Republic of Georgia today. Georgia attacked its then breakaway Republic of South Ossetia with the aim of bringing it back under Tbilisi's control. Georgia is reported to have resumed aerial and artillery bombardment of Skhinvali, the main town in South Ossetia. Hundreds of civilians and more than 70 peacekeepers were killed in the following days. Je n'en croyais pas mes yeux et mes oreilles quand j'ai vu que des médias occidentaux accusaient la Russie d'être à l'origine de l'attaque. Des millions de gens dans le monde y ont cru. Pourtant, M. Saakashvili avait annoncé publiquement qu'il avait donné l'ordre à ses troupes de passer à l'action. Did you take a gamble? Your government launched its own attempt to retake South Ossetia. No. I guess 24 hours ago. We didn't. Was that unwise in retrospect? We didn't.
We didn't. At 24 a.m. last night, Russian APCs started to cross into Georgian territory. And there we had to act. There we had to fire back the artillery. There we had to take measures, because it was a clear-cut case of intervention. Do you think that Pensez-vous que les États-Unis, ou en tout cas l'OTAN, aient soutenu Saakashvili, ou qu'il lui ait dit « vous pouvez y aller » ? Non, je ne suis pas certain que quelqu'un l'ait poussé à le faire. Je n'en sais rien. Mais je ne pense pas qu'il aurait osé se lancer seul dans une telle provocation. En tout cas, personne n'a essayé de l'arrêter. As you know, Putin's a straightforward, pretty tough character. When it comes to his interests, well, so am I. And, you know, we've had some headbutts, diplomatic headbutts. Most Americans think that the La plupart des Américains pensent que la Russie n'a rien à envier aux États-Unis en matière d'espionnage. C'est une croyance bien ancrée qui date du KGB. On est meilleur que les États-Unis parce qu'on n'a pas les mêmes moyens que vous. Si on les avait, on serait peut-être aussi mauvais que vous. Sérieusement, vous pensez que vous êtes moins bon techniquement? Je ne parle pas d'argent, je parle de technique. Tout d'abord, les services secrets américains disposent de moyens financiers énormes que nous ne pouvons pas nous permettre. Oui, mais c'est autre chose. Ensuite, après avoir traversé la période soviétique et son autoritarisme, on se méfie particulièrement de la toute-puissance des services secrets. Est-ce que la Russie fait de la collecte massive de données, sous quelque forme que ce soit? Non. Je peux vous l'affirmer. Tout est forcément ciblé? Oui, tout à fait. Je parle de collecte, pas d'analyse, sur le réseau de télécommunications, sur Internet. Non, on ne fait pas ça sur une grande échelle. On n'a pas ce type de réseau. Je peux vous l'affirmer. En Russie, 15% de la population est musulmane, et la plus grande partie de cette population vit à Moscou. Oui. Vous dites qu'il n'y a pas de collecte massive de données sur les musulmans ? Non, je peux vous l'assurer. Nous n'avons jamais eu de conflit religieux entre musulmans, chrétiens et juifs. De plus, nos représentants de la communauté musulmane sont des citoyens russes. Ils n'ont pas d'autre patrie. La Russie est leur patrie. Nous pourrons continuer sur l'islam plus tard. Oui, bonne soirée. Bonne nuit, merci. Enchanté, madame. Enchanté. C'est votre premier séjour en Russie? Oui, mon premier séjour en Russie. Vous ne connaissez pas Saint-Pétersbourg? Il ne faut pas rater ça. Au revoir. J'aimerais qu'on parle de Snowden. Vous avez dit que vous étiez en bon terme avec Bush. Sans doute aussi avec Obama. Vous avez été en contact à propos de la Syrie, de l'Iran, et puis, sans cri égard, vous donnez l'asile à Edward Snowden. Ça ne s'est pas vraiment passé comme ça. Nos relations se sont détériorées parce que les États-Unis ont soutenu des groupes terroristes au Caucase. Cela a toujours été un problème dans nos relations. Même sans Snowden, c'était déjà très compliqué. Donc en juin 2013, vous êtes prévenu que Snowden est en route. Vous recevez des appels des États-Unis, d'Obama sans doute. Comment tout ça s'est passé? Nos premiers contacts avec M. Snowden ont eu lieu en Chine. On le présentait alors comme un défenseur des droits de l'homme qui se battait contre leurs nombreuses violations. M. Snowden ne voulait pas nous donner des informations. Il nous a juste proposé de mener la lutte ensemble. Mais il a vite compris que nous n'étions pas prêts à ça. Je vais sûrement décevoir beaucoup de gens, vous compris, mais je lui ai répondu qu'on ne voulait pas s'en mêler.
On avait déjà des relations assez difficiles avec les États-Unis. Je ne voulais pas aggraver les choses. Il est reparti et on n'a plus entendu parler de lui. Il a disparu. Ensuite, on m'a rapporté que M. Snowden était dans un avion qui devait atterrir à Moscou, d'où il devait prendre une correspondance pour l'Amérique latine, si je me souviens bien. Pour Cuba. Oui, sûrement, je ne sais pas. Puis l'Équateur. Oui. Tout d'abord, ces pays de destination n'étaient pas ravis de l'accueillir. Ensuite, l'information avait filtré dans la presse. Pas de notre fait. Il est alors devenu clair qu'il ne pouvait plus partir où que ce soit. Pendant qu'il était dans l'avion ? Oui, quand il était dans l'avion. Il s'est retrouvé coincé dans la zone de transit. Il faut reconnaître que c'est un homme courageux, et même un peu téméraire. Il est resté un certain temps ici, en zone de transit. Nous lui avons ensuite accordé le statut de réfugié temporaire. Les États-Unis nous ont bien sûr demandé de l'extrader, mais il est facile de comprendre pourquoi cela nous était impossible. Pourquoi ? On avait proposé aux États-Unis de signer un accord de coopération judiciaire. C'était à notre initiative et on proposait un échange mutuel des criminels. Mais les États-Unis ont refusé de coopérer avec nous dans ce domaine. Chez nous, Snowden n'avait violé aucune loi. Nous n'avions aucun accord sur les extraditions mutuelles, et les États-Unis n'avaient jamais extradé vers la Russie les criminels russes qui se trouvaient sur leur sol avec le statut de réfugié. Il était donc impensable que nous extradions Snowden, comme nous le demandaient nos partenaires américains. Obama vous a appelé ? Je préfère ne pas en parler, c'est confidentiel. Je suis sûr qu'en tant qu'ancien agent du KGB, vous avez dû être ulcéré par le geste de Snowden. Non, pas du tout. Snowden n'est pas un traître. Il n'a pas trahi les intérêts de son pays. Il n'a pas transmis à des pays tiers des informations qui auraient pu nuire à son pays ou à son peuple. Tout ce qu'il fait, il le fait publiquement. Étiez-vous d'accord avec ce qu'il a fait ? Non. Avez-vous pensé que la NSA était allée trop loin dans ses écoutes ? Oui, bien sûr. Dans ce sens, Snowden a raison. Mais vous me posez la question et je vous réponds franchement. Malgré tout, je pense qu'il n'aurait pas dû le faire. Si quelque chose ne lui plaisait pas dans le travail qu'on lui demandait de faire, il n'avait qu'à démissionner, voilà tout. Il est allé plus loin, c'est son droit. Mais si vous me demandez s'il a eu raison ou tort, pour moi, il a eu tort. Vous dites qu'il n'aurait dû alerter personne et qu'il aurait dû démissionner par principe, comme vous l'avez fait quand vous avez démissionné du KGB ? Oui, je pense. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, mais oui, c'est vrai. J'ai démissionné parce que je n'étais pas d'accord avec les agissements du gouvernement, la tentative de coup d'État. Je n'ai pas voulu rester dans les rangs des services secrets à ce moment-là. Vous êtes bien d'accord que la NSA est allée trop loin ? Oui. Et qu'en est-il des services secrets de la Russie ? Je pense qu'ils travaillent bien. Nos services de renseignement travaillent toujours dans le cadre de la loi. C'est une première chose. En second lieu, espionner ses alliés, si on les considère vraiment comme des alliés et pas comme des vassaux, ça ne se fait pas. Ça porte atteinte à la confiance mutuelle. Et au bout du compte, ça nuit à votre propre sécurité nationale. Il y a une scène de mon film où Snowden commente une carte thermique. Okay, so this is data collection for the month of March, worldwide, emails and Skype calls. So France, 70 million, Germany, 500 million, Brazil, 2 billion, inside the US, 3.1 billion emails and calls. It's not including any of the telecom company data. Okay, so what's the collection of Russia? Russia is 1.5 billion. Wait, so we're collecting twice as much in the U.S. as we are in Russia? Yeah, I figured it was a lot.
La Russie est numéro 2, les États-Unis numéro 1. Malheureusement, c'est ainsi que travaillent les services secrets aujourd'hui. Je suis assez grand pour comprendre comment ça fonctionne. Mais espionner ses alliés, ça, ce n'est pas bien. Vous devez bien espionner les États-Unis si eux vous espionnent. C'est de bonne guerre. Bien sûr. Je n'ai rien contre le fait qu'ils nous espionnent. L'affaire Snowden sur le plan des relations américano-russes a beaucoup occupé les néoconservateurs aux États-Unis. Une fois de plus, ils ont tourné leur attention vers la Russie. Et la crise en Ukraine est arrivée peu de temps après. À mon avis, Snowden n'est qu'un pion, à moins que les États-Unis aient fait exprès de le laisser aller à Moscou pour mettre la Russie dans l'embarras. Je ne pense pas, ce serait trop subtil pour eux. Je suis sûr que les autorités américaines ont agi sous pression dans la panique du moment et ils ont commis des erreurs. C'est ce qui a sauvé Snowden. Sans cela, il serait en prison aujourd'hui. C'est un homme très courageux, il faut lui reconnaître ça. Et il a du caractère, même si je ne sais pas ce qu'il va faire de sa vie. Une chose est sûre, la Russie est actuellement le seul endroit où il est en sécurité. Je pense, oui. Je trouve ça très ironique. Autrefois, les transfuges soviétiques allaient aux États-Unis, et là, c'est l'inverse. Cela n'a rien d'étrange. Même si on essaie toujours de la diaboliser, la Russie est un État démocratique et un pays souverain. Ça génère certains problèmes, mais ça a aussi beaucoup d'avantages. Les pays qui peuvent vraiment jouir de leur souveraineté se comptent sur les doigts des deux mains. Tous les autres sont entravés par leurs obligations envers leurs alliés. Pour un tas de raisons, ils ont renoncé à une grande partie de leur souveraineté. C'est votre datcha? C'est la résidence officielle de la présidence. La résidence officielle, vous y venez le week-end? Non, je vis quasiment ici. En partie au Kremlin et en partie ici. C'est à une vingtaine de minutes de Moscou? Environ, oui. La réintroduction de la religion orthodoxe dans le système russe, c'est vous aussi? Ce n'est pas moi, c'est le peuple russe. Je comprends, mais il y a eu une renaissance de la foi. Cette renaissance s'explique par le fait que l'idéologie communiste a laissé un vide idéologique qui ne pouvait être comblé que par la religion. Quand vous venez ici, où est-ce que vous vous tenez? Il y a des chaises, vous êtes assis? Non, dans les églises orthodoxes, le service se déroule debout. Je vois. C'est la tradition de l'orthodoxie russe. Les gens ne prient pas à genoux, mais debout. On peut se mettre à genoux, parfois. Vous attendez du monde pour le week-end? Mes filles sont ici. On doit déjeuner ensemble, après notre entretien. Vos deux filles sont mariées, elles viennent avec leur mari? Vous voyez vos gendres le week-end? Oui, elles ont leur vie de famille, et on se voit, bien sûr. Vous êtes déjà grand-père? Oui. Vous aimez vos petits-enfants? Bien sûr. Êtes-vous un bon grand-père? Vous jouez avec eux dans le jardin? Très rarement, hélas. Très rarement. Vous discutez avec vos gendres? Êtes-vous toujours d'accord? Est-ce qu'ils vous font part des derniers ragots? Il arrive qu'on ne soit pas d'accord, mais on ne se dispute pas. On discute plutôt. Avec vos filles aussi? Oui, avec elles aussi. Mais elles ne s'occupent pas de politique, elles ne se mêlent pas de tout ça. Elles s'occupent de science et d'éducation.
Oui, c'est impressionnant. Vous avez beaucoup de chance. Deux belles filles. Oui, je suis fier d'elles. Allons-y. Et il est magnifique. C'est un cheval de course ? Sûrement, je vais demander. On dirait un pur sang. Vous les montez tous ? Rarement, hélas. Si on tombe, on tombe de haut. Oui, je suis tombé une fois. Je suis passé par-dessus la tête du cheval. Oui, c'est dangereux. Moi aussi, j'ai fait 5 ou 6 chutes dans ma vie. Celui-ci est plus petit. Vous savez, la plus importante population musulmane d'Europe. Pas tout à fait. Elle est aussi importante en France, je crois. Vous avez dit que la population russe d'origine était en recul. Heureusement, nous avons réussi à inverser la tendance. Depuis 3 ans, le taux de natalité augmente, et cela concerne aussi les régions où vit majoritairement une population russe d'origine. Les relations interethniques sont toujours et partout un sujet très délicat. En Russie, on a un avantage. En Europe, par exemple, et même aux États-Unis actuellement, les gens d'autres confessions sont en général des immigrés. Chez nous, ce n'est pas le cas. Ces gens sont russes. La Russie est leur patrie et ils n'en ont pas d'autre. Dès l'origine, la Russie s'est construite comme un État multinational et multiconfessionnel. En un millénaire, nous avons développé une culture interrelationnelle. Dans les endroits où chrétiens et musulmans se côtoient, il arrive très souvent que les gens célèbrent ensemble les fêtes religieuses des deux confessions, chrétiennes et musulmanes. En nous appuyant sur ce grand avantage historique, nous surmonterons assez facilement tous les problèmes touchant aux relations interethniques et interreligieuses. Vous avez dit à plusieurs reprises au cours de ces derniers jours que la Russie est une démocratie. Vos détracteurs aux États-Unis, ils sont nombreux, diraient plutôt que la Russie n'est pas une démocratie, que c'est un État traditionnellement autoritaire et que le Parlement ne prend pas de décisions importantes. Que les partis d'opposition ont un accès restreint à la télévision et que votre parti domine les médias. Que ces partis d'opposition ont le plus grand mal à être enregistrés et qu'il n'y a pas d'indépendance du pouvoir judiciaire, même si cela ne date pas d'hier en Russie. Voilà certaines des critiques les plus fréquentes, et j'aimerais que vous profitiez de cette occasion pour y répondre. J'ai compris. D'abord, en ce qui concerne le caractère démocratique de l'État russe. Regardez, durant des siècles, notre État a été une monarchie. Ensuite, il y a eu ce qu'on appelle la Révolution, en 1917. Les communistes ont pris le pouvoir, puis Staline est resté longtemps à sa tête. Il faut attendre le début des années 1990 pour qu'une série d'événements marque une nouvelle étape dans l'histoire russe. On ne peut pas imaginer que la Russie va adopter du jour au lendemain les mêmes modes de fonctionnement qu'aux États-Unis, en Allemagne ou en France. Comme n'importe quel organisme vivant, une société, un État doit se développer progressivement, par étapes. C'est le processus de développement normal.
Vous avez parlé de l'accès aux médias. On a des centaines de chaînes de télévision et de radio. L'État ne les contrôle absolument pas. C'est tout simplement impossible. Quant aux forces d'opposition, elles ne doivent pas seulement s'opposer au pouvoir. Elles doivent présenter aux citoyens les programmes qu'elles proposent. Les électeurs auront tout à y gagner. Надо всем дружно подниматься и идти на выборы, защищать свои голоса и понимать, что мы можем сформировать сильную команду, можем выдавить команду Путина на обочину, мы можем провести мирно, демократично все необходимые преобразования. Мне нужны ваши голоса. Мне нужна ваша уверенность в том, что можно в нашей стране все изменить. Не бойтесь будущего. Голосуйте за Прохорова. Не бойтесь быть сильными. Я вас никогда не подведу. Нам нужно другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо. Maintenant, en ce qui concerne le multipartisme et le fait de pouvoir s'enregistrer en tant que parti, tout récemment, nous avons beaucoup facilité les choses. Il est devenu tellement facile d'enregistrer son organisation politique ou son parti que les électeurs vont être confrontés à un nouveau problème. Ils auront trop de choix. Que pensez-vous des candidats à l'élection américaine? Je pense que le peuple des États-Unis votera pour celui qui est le plus capable. Non, on veut savoir ce que vous pensez personnellement de leur caractère. Nous sommes prêts à travailler avec le candidat qui sera élu par le peuple américain, quel qu'il soit. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et c'est un fait. Mais je pense que dans les grandes lignes, rien ne changera vraiment. Quel que soit le vainqueur de l'élection. Bernie Sanders, ça vous plairait? Vous savez, ce n'est pas à nous de dire ce qu'on souhaiterait. Ce que je peux vous dire, de par mon expérience, c'est que l'appareil bureaucratique est très puissant aux États-Unis. Il y a beaucoup de choses dont les candidats ne se rendent pas compte avant leur élection. Mais dès qu'ils se mettent concrètement au travail, un poids de plusieurs tonnes leur tombe dessus. Je vois, mais ça ne répond pas à ma question sur Sanders. Vous l'aimez bien? Considérez ce que je viens de dire comme une réponse. Pour ne vous donner qu'un exemple, mon collègue Barack Obama avait promis de fermer Guantanamo. Il n'a pas pu le faire. Même si je suis totalement convaincu qu'il voulait et qu'il veut toujours le faire. Il faut savoir que les promesses électorales ne peuvent pas toujours se réaliser. J'espère qu'avec le prochain président, nous réussirons à construire des relations qui changeront les choses dans le bon sens. Mais vous comprenez bien sûr l'influence que pourrait avoir votre réponse si vous vous déclariez tout d'un coup en faveur de tel ou tel candidat. Il serait fichu du jour au lendemain. Mais si vous disiez que vous n'aimez pas Trump, il serait gagnant. Vous avez ce pouvoir-là aux États-Unis. Contrairement à beaucoup de nos partenaires, nous ne nous mêlons jamais des affaires intérieures des autres pays. C'est l'un des principes de base de notre travail. Merci, monsieur. À demain, pour des sujets encore plus brûlants. Merci. Merci. À demain.
Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Vous allez bien? Très bien. Et vous, ça va? Un peu fatigué aujourd'hui. Pourquoi? J'ai mal dormi. J'ai joué au hockey et c'est vous qui êtes fatigué? Oui, mais vous avez des courbatures. J'ai fait une jolie promenade. Allons-y. J'ai fait une promenade avec ma femme dans le parc. J'ai essayé de m'imaginer Sochi au 4e siècle avant Jésus-Christ. Oui. Vous savez qu'Ulysse est passé par ici quand il cherchait la toison d'or? C'est votre maison? Oui. Très joli, c'est paisible ici. Vous voulez parler ici? Tout me va, on peut commencer? C'est comme vous préférez. On entre par là. C'était juste une répétition. J'aimerais qu'on parle de la crise en Ukraine, comme sur la terrasse lors de ma première visite. Je voudrais qu'on y revienne parce que c'est un thème important pour les téléspectateurs. Oui, bien sûr. Permettez-moi de commencer par une brève introduction. Quand l'Ukraine a obtenu son indépendance, il y a eu des privatisations encore plus sauvages qu'en Russie. Les biens publics ont été pillés et le niveau de vie s'est effondré. Cela s'est passé juste après l'indépendance et rien n'a changé sous les gouvernements qui ont suivi. Pour les simples citoyens, il n'y avait eu aucun changement positif. Les gens en avaient assez de l'arbitraire, de la corruption endémique, de la paupérisation des uns et de l'enrichissement immoral et illégal des autres. Naturellement, les gens pensaient qu'adopter les règles de l'Union européenne pourrait les sortir de la situation humiliante qu'ils subissaient depuis le début des années 1990. Je pense que ça a été le principal moteur de tous les événements récents en Ukraine. L'économie de la Russie et celle de l'Ukraine se sont développées à partir d'un noyau commun. Les deux pays avaient des liens économiques uniques. Les marchés russes étaient complètement ouverts aux importations en provenance d'Ukraine. Aujourd'hui encore, il n'y a pas de droit de douane entre nos deux pays. Pendant 17 ans, nous avons mené des négociations avec l'Union européenne sur les conditions d'entrée de la Russie à l'OMC. Et tout à coup, on nous annonce que l'Ukraine et l'Union européenne vont signer un accord d'association. Les marchés ukrainiens vont s'ouvrir à l'Europe. Cela signifie que toutes les marchandises en provenance de l'Union européenne vont pouvoir entrer sur notre territoire, et cela sans négociation préalable et malgré les accords de principe que nous avions signés avec les Européens au cours de ces 17 années de pourparlers sur notre entrée dans l'OMC. Bien évidemment, nous devions agir à cette annonce, et nous avons dit que si l'Ukraine avait décidé d'agir ainsi, c'était son choix, et nous respections ce choix. Mais ce n'était pas à nous de payer pour ce choix. Pourquoi les habitants de la Russie devraient-ils payer de leur poche pour une décision ukrainienne? Nous avons proposé des négociations trilatérales à nos partenaires européens, mais leur refus a été catégorique. On nous a fait comprendre que ça ne nous regardait pas. On le sait, la crise a éclaté lorsque M. Yanukovych a déclaré qu'il devait repousser la signature de l'accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Le président Yanukovych, qui était au pouvoir à l'époque, a annoncé que l'accord allait être conclu, mais qu'il fallait d'abord préciser certaines modalités. C'est là que tout a commencé. Nos partenaires en Europe et aux États-Unis ont surfé sur une vague de mécontentement populaire.
Au lieu d'expliquer ce qui se passait vraiment, ils ont soutenu ce coup d'État. Entre novembre 2013 et le 20 février 2014, il y a eu beaucoup de manifestations. Je revois la télévision disant qu'il s'agissait d'un coup d'État au ralenti. Ça semblait évident pour les Russes. L'Ukraine, nous, on n'y prêtait pas attention. Non, peut-être pas vous personnellement, mais la CIA était extrêmement attentive à ce qui se passait en Ukraine. Il suffit de regarder l'évolution des événements. Yanukovych a annoncé que la signature de l'accord d'association était repoussée et personne n'a cherché à savoir pourquoi ou pour combien de temps. Immédiatement, des troubles ont éclaté. For weeks, this European capital has been the scene of a violent uprising. Today, the bloodiest day yet. The protesters are pushing up towards the government district, armed here with Molotov cocktails, but we saw handguns and shotguns too. There is absolutely no doubt that snipers are working here. I've counted 10 bodies. There are casualties on both sides. Well, she's just said that there are six dead people up there. Not just injured, dead. They said they've been hit by snipers. 14 policiers tués et 43 blessés. Pendant le massacre de la place Maïdan, vous receviez des renseignements? C'est bizarre qu'il y ait eu à la fois beaucoup de policiers et de manifestants tués. La police ne ripostait pas et elle a battu en retraite, rappelée par Yanukovych. Il semble que des groupes de snipers visaient les policiers et les civils dans le but de créer un chaos propice à la prise du pouvoir. C'est tout à fait exact. Yanukovych n'a pas donné l'ordre d'utiliser les armes contre les manifestants. Nos partenaires occidentaux, y compris les Américains, m'ont demandé de faire pression sur lui pour qu'il ne donne pas ce genre d'ordre. Ils nous ont dit « Faites en sorte que Yanukovych n'ait pas recours à la force. » De notre côté, nous demanderons à l'opposition d'évacuer les places publiques et les bâtiments administratifs. Nous avons répondu « C'est une bonne proposition, nous allons y travailler. » Et comme vous le savez, le président Yanukovych n'a pas eu recours aux armes. Il m'a dit d'ailleurs que pour lui, c'était inimaginable. Il n'avait absolument pas la volonté de donner l'ordre de tirer sur la population. Qui étaient ces snipers? Qui étaient-ils? Qui les avait engagés? Des gens qui avaient intérêt à l'escalade des tensions. Je n'ai pas d'informations précises sur l'identité de ces individus, mais c'est d'une logique élémentaire. Aviez-vous des informations sur des bataillons issus de factions d'extrême droite qui avaient reçu un entraînement militaire dans d'autres villes? On m'a dit que des unités d'une centaine d'hommes étaient arrivées en ville dans les jours qui ont précédé les affrontements en place Maïdan. Nous avions et nous avons toujours des informations attestant que des groupes de combat de ce type étaient formés en Ukraine occidentale, en Pologne et dans d'autres territoires. Правий сектор не складе зброї. Правий сектор не зніме блокаду жодної з державних установ, поки не буде виконана найголовніша наша вимога – відставка Януковича. Я напомню, що... Je rappelle que juste avant, le 21 février 2014, si je ne m'abuse, les ministres des Affaires étrangères de trois pays européens sont venus à Kiev pour participer à la rencontre entre le président Yanukovych et l'opposition. Ils se sont mis d'accord sur l'organisation d'élections anticipées et sur les futurs rapports entre l'opposition et le président. La presse américaine en a parlé comme si Yanukovych avait abandonné Kiev. Oui, oui, c'est une version qui justifie le soutien à ce coup d'État. Dès que Yanukovych est parti dans la deuxième ville du pays pour assister à un événement politique intérieur, sa résidence a été occupée par des hommes en armes. Si la Maison-Blanche était occupée de cette manière, vous ne diriez pas qu'il s'agit d'un coup d'État? Ces gens ne sont pas venus pour passer le balai. Le procureur général s'est fait tirer dessus. Un de ses agents de sécurité a été blessé.
Le cortège du président Yanukovych a essuyé des coups de feu. C'était un coup d'État armé et rien d'autre. Le lendemain, avec notre aide, M. Yanukovych a pu gagner la Crimée qui, à l'époque, faisait encore partie de l'Ukraine. Il y est resté une semaine ou 10 jours. Il espérait encore que les gens qui avaient signé l'accord du 21 février tenteraient de régler le conflit par des moyens démocratiques, civilisés, légaux. Mais rien de tel ne s'est produit. En revanche, il est devenu évident que s'il tombait entre leurs mains, il se ferait tuer. Bien sûr, on peut tout déformer. On peut tromper des millions de gens en utilisant le monopole dont on dispose sur les médias. Mais au final, un spectateur impartial peut très bien comprendre que c'était bel et bien un coup d'État. Ukraine's parliament has voted for the new speaker of the assembly to become interim president. Alexander Turchynov called on lawmakers to form an interim government by Tuesday. These latest developments follow the dismissal of President Viktor Yanukovych on Saturday. Quand le régime a été renversé, certains ont apprécié ce changement et d'autres non. Des gens ont été effrayés par le déchaînement de nationalisme et de radicalisme. La première mesure adoptée par ceux qui avaient pris le pouvoir a été une loi qui limitait l'usage de la langue russe. Les Européens ont bloqué cette mesure, mais un signal avait été lancé. Le peuple a compris la direction qu'allait prendre le pays. Le même processus a été mis en œuvre dans le sud-est du pays. Dans le Donbass. Là-bas, il y a deux grandes villes, Lugansk et Donetsk, dont les habitants n'ont pas accepté le coup d'État. Au début, la police a reçu l'ordre d'arrêter certaines personnes, mais elle a rapidement pris le parti des insurgés. Ensuite, les services secrets se sont mis à enlever les gens au milieu de la nuit et à les mettre en prison. Il est normal qu'en voyant ça, les habitants du Donbass aient pris les armes. À partir de là, de vrais combats ont commencé. Au lieu d'engager le dialogue avec les habitants du sud-est de l'Ukraine, après l'intervention des services secrets, le gouvernement ukrainien a déployé les forces spéciales et ensuite l'armée, avec des chars et des avions de combat. Ils se sont mis à frapper les quartiers résidentiels directement aux lance-roquettes. Ensuite, il y a eu des élections et un nouveau président a été élu. À plusieurs reprises, nous avons appelé le président ukrainien à ne pas prendre de mesures radicales. Je lui ai parlé de nombreuses fois, mais il avait sa propre vision de la situation. Il évoquait toujours les pertes d'une, deux ou trois personnes que son armée avait subies pendant les combats contre les milices. C'était évidemment regrettable. Toute mort est toujours une tragédie. Mais quand il a repris les hostilités, ce sont des milliers de personnes qui ont péri. En ce qui concerne M. Obama, quels étaient vos échanges avec lui à ce moment-là? Nous étions en contact ininterrompu. Enfin, nous parlions au téléphone très régulièrement. Manifestement, vous étiez en désaccord. Nos visions étaient très différentes. Et elles le sont toujours, en ce qui concerne les origines et le déroulement de la crise ukrainienne. Vous vous parlez encore? Oui, nous nous sommes parlé il y a quelques jours. Nous avons évoqué nos rapports bilatéraux, la situation au Moyen-Orient et en Ukraine. Vous diriez que vos échanges sont cordiaux? Non, ce sont des relations de travail. Ils se voient quand ils se parlent? Non. Mais je peux vous dire que c'est un dialogue où les deux parties sont désireuses de se parler. Nous ne sommes pas du tout dans une confrontation. J'ai l'impression que le président Obama est quelqu'un de réfléchi, qui sait évaluer une situation de façon réaliste.
Nous sommes d'accord sur certains points et en désaccord sur d'autres. Parfois, nous trouvons des points de convergence sur des sujets difficiles. Je dirais que c'est un dialogue utile. C'est une question futile, mais je suis toujours très curieux. Est-ce qu'ils s'appellent Vladimir et Barak ou... Barak et Vladimir. Par vos oui. prénoms, c'est super. Pouvons-nous parler des influences extérieures pendant la crise ukrainienne? On sait que des ONG opéraient en Ukraine. On sait que Victoria Nuland, la secrétaire d'État adjointe américaine pour l'Europe de l'Est, soutenait activement le changement de gouvernement. We've invested over $5 billion to assist Ukraine in these and other goals that will ensure a secure and prosperous and democratic Ukraine. We know that Senator John McCain. On sait que le sénateur John McCain s'est rendu sur place et qu'il a été vu dans des meetings avec des dirigeants d'extrême droite, dont des néo-nazis. This is about the future you want for your country. This is about the future you deserve. We know that America. On sait qu'en Amérique, la Fondation nationale pour la démocratie, une organisation influente privée à but non lucratif, était très active ici. Carl Gershman, son président, s'est exprimé en faveur d'une Ukraine indépendante. Et on sait que le financier milliardaire d'origine hongroise, George Soros, a soutenu des groupes là-bas, en Ukraine. Tout ça est vrai. Je ne comprends pas toujours la logique de nos partenaires. Mais parfois, j'ai l'impression que pour mieux contrôler leur propre camp, euro-atlantique, et y imposer plus de discipline, ils ont besoin d'un ennemi extérieur. Autrement dit, les États-Unis maintiendraient une Europe unie, pro-américaine et pro-OTAN, grâce à un ennemi commun comme la Russie. Je peux vous assurer que c'est la vérité. Je le sais. Je le sens. The final assault came amidst fire and ice, snipers on rooftops. The Heavenly Hundred paid the ultimate price of patriots the world over. Their blood and courage delivering to the Ukrainian people a second chance for freedom. Their sacrifice, to put it bluntly, is now your obligation. Avec le recul, était-ce une erreur d'annexer la Crimée? Ça vous a coûté très cher. Les sanctions, le retournement de l'Union européenne contre la Russie, les États-Unis, ça a défrayé la chronique parce que c'est illégal ou considéré comme tel dans le monde des traités d'après-guerre. Ce n'est pas nous qui avons décidé d'annexer la Crimée à la Russie. Ce sont les habitants de Crimée qui ont décidé de rejoindre la Russie. Le Parlement de Crimée, élu en accord avec la législation ukrainienne, est donc complètement légitime, a annoncé la tenue d'un référendum. Le Parlement de Crimée a voté à une majorité écrasante en faveur de la réunification avec la Russie. Il faut dire que le coup d'État a entraîné énormément de violence. Entre autres menaces, il y avait le risque de violence perpétrée par des nationalistes ukrainiens en Crimée, où près de 70% de la population sont des Russes d'origine, ou se considèrent comme russes, car le russe est leur langue maternelle. Les gens étaient inquiets pour leur sécurité. Conformément aux accords internationaux, nous avions le droit de stationner 20 000 hommes sur notre base militaire en Crimée, et même un peu plus. Il fallait garantir le fonctionnement des institutions représentatives pour que le Parlement puisse se réunir et faire son travail. La population devait se sentir en sécurité. It does raise questions on whether this vote really is free and fair, especially given the heavy military presence in Crimea right now, Errol.
Oui, nous avons créé les conditions nécessaires pour que les gens puissent se rendre aux urnes. Nous n'avons mené aucune opération armée. Pas un coup de feu n'a été tiré et personne n'a été tué. Plus de 90% des habitants de Crimée ont participé au référendum. Ensuite, sur la base des résultats du scrutin, le Parlement de Crimée a demandé au Parlement de Russie d'intégrer la Crimée dans la Fédération de Russie. More than 95% voted to become part of Russia. Officials said there was an unprecedented turnout, with at least 8 of 10 eligible Crimeans having their say. Les pertes territoriales subies par l'Ukraine ne sont pas dues à la Russie, mais à la décision des habitants de Crimée, qui ne voulaient pas se retrouver sous le contrôle d'un régime nationaliste. Une guerre civile a éclaté dans le sud-est de l'Ukraine, dans le Donbass. Immédiatement, le PIB a chuté de manière catastrophique. Les plus grosses entreprises industrielles ont cessé le travail. Le chômage a grimpé, les salaires ont plongé. L'inflation a atteint 45-47%. Nous sommes étroitement liés à l'Ukraine. Plus que des peuples frères, je suis convaincu que nous sommes quasiment le même peuple. Évidemment, il y a des spécificités linguistiques, culturelles et historiques qu'il faut respecter. D'ailleurs, elles ont toujours été respectées, même lorsque l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Il faut rappeler que, pendant des décennies, l'Union soviétique a été dirigée par des Ukrainiens. Je trouve que ça en dit long. Mais économiquement, comme vous dites, vous êtes autosuffisant. Ils sont partis, laissez-les à leurs problèmes. Ça ne détruira pas votre pays. Bien sûr. Lors de notre dernière rencontre, je vous ai posé une question sur la base sous-marine russe en Crimée, à Sébastopol. Et vous avez dit que la perte de la base ne représenterait pas une menace. Ça représentait une menace, mais pas une menace critique. Parce qu'aujourd'hui, nous mettons en service une nouvelle base navale, non loin de là, à Novorossiysk. Même si l'OTAN devait passer un accord avec l'Ukraine, je ne vois pas où serait la menace pour la Russie avec l'armement moderne. Moi, si. J'y vois une menace. Quand l'OTAN débarque dans un pays, la population de ce pays et ses dirigeants ne peuvent pas influencer les décisions de l'OTAN. Y compris celles concernant le déploiement d'infrastructures militaires. Même des armements très sensibles peuvent être déployés, comme les systèmes de défense antimissiles. Aujourd'hui, on observe un renforcement de l'influence américaine en Europe, en partie grâce aux pays d'Europe de l'Est. Ils sont encore dans un paradigme de confrontation avec une puissance dominante, l'ex-URSS, qu'ils projettent sur la Russie actuelle. Mais tôt ou tard, cela va s'arrêter. En initiant la crise en Ukraine, les Américains ont réussi à présenter la Russie comme un agresseur potentiel. Mais bientôt, tout le monde comprendra que la Russie ne représente pas une menace. Ni pour les pays baltes, ni pour les pays d'Europe de l'Est, et encore moins pour les pays d'Europe de l'Ouest. Quand les Européens s'en rendront compte, ils seront d'autant plus désireux de protéger leur souveraineté et de défendre leurs intérêts nationaux. Cette pression constante n'est agréable pour personne, croyez-moi. Tôt ou tard, on en verra les conséquences. Mais tôt ou tard, cela prendra fin. Il est préférable que ce soit le résultat d'un dialogue pacifique.
Bien sûr, on peut aussi faire monter la pression en Asie en parlant de la Corée du Nord ou d'autres pays, mais pour moi, ce dont nous avons tous besoin, c'est d'une autre forme de relation internationale, basée sur le respect des intérêts des peuples et sur leur souveraineté, pas sur l'intimidation et l'évocation d'une menace extérieure qui ne peut être conjurée qu'avec l'aide des États-Unis. Un jour, ce paradigme ne sera plus d'actualité. C'est immense cet endroit. Vous me faites visiter ? Avec plaisir. Comment on chauffe un endroit pareil ? Là, vous me posez une colle. Ne me dites rien. Cela se fait d'une manière ou d'une autre. On ne chauffe pas au bois, je vous assure. Vous ne vous sentez jamais seul le soir dans ces couloirs ? La nuit, je ne me promène pas dans les couloirs. Je sais que vous avez un bureau ici, caché quelque part. J'y suis déjà allé une fois. Je peux vous inviter à le voir. Ah, c'était le bureau de Staline. Oui, quand il était le chef du gouvernement. Oui, il est bien, là. Il aurait pu être acteur de cinéma. Pourquoi ça passe ? C'est l'anniversaire du discours de Munich. Ah, bon. Donc aujourd'hui, c'est le jour où vous vous êtes attiré des ennuis. Pas vraiment. J'ai simplement dit ce que je pensais. Voici mon bureau. Avant, à l'époque soviétique, il était plus grand. Il n'y avait pas de mur à cet endroit. C'est ici que vous travaillez maintenant ? Oui. Vous y tenez des réunions ? Oui, ici même. Je vais vous montrer la deuxième partie du bureau. Vous devrez excuser le désordre. Ça, c'est mon père, à Sébastopol, en Crimée. Il a servi dans la marine. À Sébastopol ? C'est pour ça que vous vous êtes battu pour l'avoir. Et voici la deuxième partie du bureau. Deux tables de travail ? Comment il s'en sert ? Ici, je travaille avec les documents. C'est généralement couvert de papier. Ah tiens, c'est mon livre. Oui. Super, c'est le livre d'histoire que j'ai co-écrit. Il y a un autre bureau ici. Vous voulez le voir ? Bien sûr, je suis d'une curiosité sans borne. Ah, je suis déjà venu. C'est ici qu'on a passé notre première soirée. Oui, le premier soir. Vous vous souvenez, Dimitri, on a commencé ici ? Donc, trois bureaux différents. Oui. Allons-y. La dernière fois, on a parlé de surveillance de masse. J'ai eu l'impression que vous y étiez opposé et que vous déploriez l'approche américaine. Et comme notre film sur Snowden le souligne, le ciblage serait plus efficace contre les terroristes. Depuis, je suis parti, je suis revenu, et vous venez de signer une nouvelle loi surnommée « Loi Big Brother » qui prévoit des techniques de surveillance de masse. Je suis surpris. Snowden les a condamnés ici, en Russie. Vous venez d'évoquer M. Snowden. Il a révélé la surveillance exercée par la NSA et la CIA sur tous les citoyens du monde, y compris des dirigeants politiques, y compris des alliés des États-Unis. Alors que la loi que nous avons adoptée autorise simplement une sauvegarde plus longue des données par les fournisseurs d'accès à Internet et par d'autres services de communication. Les services secrets et les forces de l'ordre peuvent uniquement obtenir des informations privées. Des informations essentielles, si une cour de justice l'autorise.
Une loi identique est en vigueur aux États-Unis, au Canada, en Australie et dans beaucoup d'autres pays. Je pense que ces mesures sont justifiées et qu'elles sont nécessaires dans la lutte contre le terrorisme. Car si ces données sont détruites, il ne reste plus de possibilité d'explorer certaines pistes criminelles. Mais pourquoi faites-vous ça? Ça ressemble à un filet jeté sur tous les citoyens russes. Aujourd'hui, en Syrie, malheureusement, 4500 citoyens russes combattent aux côtés de Daesh et d'autres organisations terroristes. À cela, il faut y ajouter près de 5000 combattants originaires des anciennes républiques soviétiques d'Asie centrale. Ces individus ont des liens avec la Russie. L'année dernière, nos services secrets ont déjoué 45 attaques terroristes. Ici se trouve l'un des bureaux où je travaille avec mes collègues par vidéoconférence. Nous y organisons des réunions avec différentes régions du pays. C'est une sorte de poste de commandement pour lancer des opérations commando? Les opérations commando, ça se passe ailleurs. Pour ce qui est de mon rôle de commandant en chef des armées, je peux aussi l'exercer depuis ce bureau. Il y a tous les moyens de communication nécessaires. Mais il existe un bureau spécial, dédié à ce travail, au ministère de la Défense et ailleurs aussi. Je vais prendre des nouvelles auprès du ministère des situations d'urgence. Bonjour, collègues. Vous nous entendez? Faites-moi votre rapport sur la situation dans les régions. И в Красноярском крае температуры ниже климатических норм на 7-10 градусов. Доклад закончен. Merci et bon courage. Appelez le ministère de la Défense. Bonsoir, camarade. Vous m'entendez? Товарищ верховный главнокомандующий, дежурный генерал Христофоров. En Syrie, est-ce que vous êtes en contact avec nos collègues? Коллегами там. Так точно, мы находимся на видеоконференции в реальном масштабе времени, постоянно отслеживаем и уточняем положение войск при выполнении задач. Qui est à la base de Khmeimim actuellement? Непосредственно командующий группировкой генерал Картополов. Пусть доложит. Demandez-lui un rapport sur ce qui se passe actuellement en Syrie. Ce sont de vrais avions qu'on voit? Oui, toutes les informations sont délivrées en temps réel. Même l'accès aux sous-marins? Oui, toutes les informations. Où se trouvent les gens, ce qu'ils font, en temps réel, 24 heures sur 24. Товарищ верховный главнокомандующий, дежурный генерал Христофоров. По докладу командующего группировкой, в настоящее время обстановка стабилизирована. Проводятся мероприятия во взаимодействии с турецкой страной по подготовке действий в районе Дерезор и в районе Эльбаб. Уточняем цели, координаты для поражения, в том числе и объекты ИДИЛ. В установленное время будет продолжено мероприятие по развитию успеха на данных направлениях. Saluez Kartapolov de ma part et dites-lui que je reçois ses rapports pratiquement tous les jours. Merci. Sur le plan militaire, le budget américain est de 600 milliards de dollars. Votre budget annuel est de 66 milliards, d'après les statistiques russes. Ça représente à peine 12% des dépenses américaines. Les Chinois en sont à 215 milliards, l'Arabie Saoudite à 87, donc la Russie est en quatrième position avec 66 milliards. Est-ce que ce chiffre est juste? Oui, c'est à peu près ça. Waouh! L'Arabie Saoudite dépense plus que vous. Oui, effectivement, c'est le cas. Mais comment vous faites? Vous avez une grande armée, un important service de renseignement. C'est quoi le truc?
Vous n'avez pas de lobby pro-militaire? Pas de corruption? Si, tout cela existe, comme dans n'importe quel autre pays. Mais nous avons également la certitude que le plus important pour l'État est une économie qui fonctionne bien. Pour cette raison, l'armée doit être compacte, mais moderne et efficace. Nous dépensons suffisamment d'argent pour cette filière. L'année dernière, les dépenses militaires s'élevaient à un peu plus de 3% du PIB. Pour la Russie, c'est déjà beaucoup. Cette année, la source principale des économies budgétaires est la réduction des dépenses dédiées à la défense. Progressivement, nous allons revenir à 2,7-2,8% du PIB dans les trois prochaines années. Les États-Unis parlent beaucoup de leur système de défense antimissile. Aurait-il fait une percée technologique? Ont-ils pris un avantage décisif? Pour le moment, il n'y a pas eu de percée. Mais bien sûr, nous devons tenir compte de cette éventualité. Oui, mais les Américains ont un plan. J'ai l'impression qu'ils comptent prendre l'avantage en détruisant vos silos à missiles à la première frappe avant d'encaisser votre contre-attaque. Et puis ils vous menaceraient d'une deuxième frappe qui anéantirait vos villes et la population. La totale. Leur but, c'est précisément de créer un parapluie pour se protéger. Mais en réalité, ça va relancer la course aux armements. C'est évident. Il y aura de nouveaux soupçons mutuels. En ce qui concerne la Syrie, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre objectif, nous faire un historique et nous préciser votre position actuelle? Nous voyons ce qui s'est produit dans certains pays de cette région, surtout en Irak et en Libye. D'autres pays sont aussi dans une situation préoccupante. Mais ce qui s'est passé dans ces deux États, c'est une tragédie. Une tragédie qui est la conséquence du renversement violent des régimes en place. Il y a eu non seulement destitution, mais aussi liquidation physique des dirigeants. Nous sommes clairement opposés à ce que le même scénario se produise en Syrie. Sinon, toute la région sera en proie à un chaos total. Si la Syrie subit le même sort que la Libye, les positions des groupes terroristes et radicaux seront encore renforcées. Aujourd'hui, ces groupes sont déjà très puissants car ils contrôlent une grande partie de l'extraction du pétrole dans la région. C'est qui, les terroristes? Oui, les terroristes. Et comme en plus ils vendent des objets d'art, des objets culturels et qu'ils reçoivent de l'aide de l'étranger, ils sont vraiment puissants. Il faut les empêcher de se renforcer encore. Ils ont l'intention de créer un califat qui s'étendrait de l'Europe du Sud jusqu'à l'Asie centrale. C'est la préoccupation majeure. Oui, mais nous avons aussi des objectifs pratiques. Des milliers de combattants originaires d'ex-Union soviétique, y compris de Russie, se battent là-bas et peuvent un jour revenir chez nous. Nous ne pouvons pas le permettre. Tous ces facteurs expliquent pourquoi nous faisons ce que nous faisons. En même temps, nous avons conscience que les dirigeants syriens actuels ont également commis des erreurs dans l'établissement des relations à l'intérieur de leur propre pays. C'est pour cela qu'avant de prendre cette décision, nous avons discuté avec le président Assad. Il est conscient de tous les problèmes de son pays. Non seulement il est prêt à dialoguer avec l'opposition, y compris avec l'opposition armée, mais il est même prêt à travailler avec elle sur la nouvelle constitution. Et il est prêt à soumettre les futures élections présidentielles, qui seront des élections anticipées, à un strict contrôle international. Et qu'en est-il des routes que Daesh utilisait pour acheminer les camions-citernes en Turquie? L'une de ces routes passait à travers la région où vivent les Turkmènes de Syrie. C'est le meilleur itinéraire pour acheminer du pétrole en Turquie. C'est le plus court et il donne accès à un port de la Méditerranée sur le territoire turc, Ceyhan.
Et vous avez transmis ces informations à Erdogan, n'est-ce pas? Non, je n'en ai pas parlé à Erdogan. Vous avez frappé des zones où vivent des populations d'origine turque sans lui dire pourquoi? Vous trouvez que j'aurais dû lui en parler? Pour quelle raison? Ce n'est pas son pays. Nous avons travaillé avec les autorités officielles syriennes, avec l'armée syrienne, aux côtés de laquelle nous combattons les radicaux. Est-ce que vous auriez pu lui dire de façon diplomatique, « Monsieur le Président, nous savons de sources sûres que du pétrole arrive en Turquie. Nous pensons que des trafiquants à la frontière coopèrent avec Daesh et cela nous préoccupe beaucoup. » C'est vraiment un plaisir de discuter avec vous. Écoutez, pendant le sommet du G20, quand les journalistes sont sortis de la salle, j'ai sorti des photos. Des photos grandes comme ça. J'ai montré à tout le monde ces itinéraires. Nous avons aussi montré ces photos à nos partenaires américains qui sont à la tête de la coalition contre Daesh. Tout le monde est au courant. Ça ne sert à rien d'enfoncer des portes ouvertes. Ce sont des évidences. Il ne s'agit pas d'un camion isolé, mais de milliers de camions. Des milliers. Cette route, c'est un oléoduc vivant. Quel représentant américain était présent ? Vous me demandez des informations qui ne doivent pas être rendues publiques. Donc deux fois par jour, demain, aujourd'hui, vous communiquez des informations à l'OTAN sur la mission en Syrie? Pas à l'OTAN, à l'armée américaine. Vraiment, directement? Et ils font la même chose. Vous recevez les mêmes informations? Oui, nous recevons des États-Unis des informations identiques sur les opérations de leur aviation. Pour éviter des catastrophes majeures? Pour éviter des incidents aériens. C'est une situation dangereuse. Tout à fait. Quand les avions de plusieurs pays évoluent dans le même espace aérien en même temps, cela peut avoir certaines conséquences. Par ailleurs, nous opérons là-bas à l'invitation du gouvernement syrien légitime. Nous agissons donc en accord avec la loi internationale, à savoir la charte de l'Organisation des Nations Unies. Ce qui n'est pas le cas de tous les autres avions. Ils ne peuvent s'y trouver qu'en accord avec la loi internationale existante, soit dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, soit à l'invitation du gouvernement de ce pays. Ce sont donc des vols illégaux. Et pourtant, malgré tout cela, nous partons du fait que nous avons un objectif commun, combattre le terrorisme international. Et nous sommes donc prêts à coopérer avec vous. Il y a des avions de chasse français, britanniques, turcs, j'en oublie. Il y a des avions d'une multitude de pays, même d'Australie. Ah oui, vraiment ? Et du Canada, je crois. Du Canada? Et d'Iran? Pas d'Iranien? Non, pas d'Iranien. C'est plutôt surchargé comme espace aérien. Pas vraiment. Parce que quand nos pilotes effectuent environ 70 à 120 frappes par jour, la coalition internationale dirigée par les États-Unis ne réalise que 3 à 5 frappes quotidiennes. Vous effectuez 70 à 120 frappes par jour, 7 jours sur 7? Oui, oui, tous les jours. Alors la situation progresse, j'imagine. On ne va pas se retrouver dans un bourbier comme au Vietnam. Il y a des progrès. Il y a des progrès? Tout le monde le constate. Bien sûr, de vastes territoires restent encore sous le contrôle de Daesh, mais beaucoup d'autres ont été libérés. Et il ne s'agit pas de quelques zones désertiques, mais de territoires vitaux pour la Syrie. Mais ce n'est pas tout. Plusieurs groupes et tribus de Syrie, y compris des tribus sunnites, se sont dit prêts à combattre avec nous contre Daesh. Nous sommes entrés en contact avec eux. Nous en avons informé le président Assad et les responsables militaires syriens. Nous leur avons déclaré que nous étions prêts à soutenir les groupes sunnites désireux de lutter contre Daesh et le front al-Nusra. Sur le principe, le président Assad et les militaires syriens n'y voient pas d'inconvénient.
Ces groupes sunnites, soutenus par notre aviation, combattent donc Daesh et Al-Nusra. Mais si vous faites de 70 à 120 frappes par jour sur au moins 2 mois, autrement dit 60 jours, ça fait 4 à 7000 frappes. Daesh est-il si grand que ça? Dans les rangs de Daesh, on compte approximativement 80 000 terroristes, dont 30 000 mercenaires étrangers originaires de 80 pays du monde, y compris de Russie. C'est une de nos opérations aériennes. Qui est au sol? Des combattants qui courent avec des armes. Certains ont des fusils, d'autres des armes plus lourdes. Des armes anti-chars. Le pilote dit qu'il va faire une autre tentative. Ils n'ont pas de Stingers? Nos gars courent de grands risques. Ces types vous ont déjà combattu en Afghanistan? Dieu sait où ils ont combattu. Ce sont des terroristes internationaux. Oui. Donc ils ont été surpris. Là, c'est une tentative d'entrée en Syrie depuis la Turquie. Je pense que ça ferait une bonne pub anti-recrutement pour Daesh. On n'a plus envie de les rejoindre quand on voit ça. Nous n'avons pas intérêt à jeter de l'huile sur le feu dans ce conflit. Au contraire, nous voulons promouvoir le dialogue pour préserver l'intégrité territoriale de ce pays. C'est très compliqué. Ce n'est pas facile de trouver un consensus, mais les contacts directs que nous entretenons avec nos divers partenaires nous donnent l'espoir de réussir. Nous avons vraiment besoin du soutien des États-Unis, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie et de l'Égypte. Nous allons prendre beaucoup de précautions pour que chaque pas en avant consolide nos acquis, sans les compromettre. Bien, parlons d'un autre conflit. En Crimée, avant le référendum, un destroyer américain, le Donald Cook, est apparemment entré en mer Noire, a fait demi-tour et a abandonné sa mission. L'épisode rappelle la crise des missiles à Cuba, il s'était produit à peu près la même chose. Un bâtiment s'était approché de la ligne de démarcation avant de faire demi-tour. À partir du moment où la Crimée a intégré la Russie, notre rapport envers cette région a radicalement changé. Si nous voyons une menace pour notre territoire, et la Crimée en fait partie désormais, nous mettrons tout en œuvre pour le défendre. Rising tensions between the US and Russia after a Russian fighter jet buzzed a US warship in the Black Sea. ABC's Chief Global Affairs correspondent Martha Raddatz tracking this all from Washington. Martha, this maneuver by the Russian fighter carries echoes of the Cold War. It certainly does, George. This was a Russian jet that screamed by a U.S. destroyer in the Black Sea, not just once, but 12 times over a 90-minute period. Страны НАТО объявляют учения на Черном море. К берегам Румынии подходит американский эскадренный миноносец. В Средиземном море авианосная группировка, а к Крыму, вооруженный крылатыми ракетами, устремляется эсминец ВМС США Дональд Кук. Je n'irai pas jusqu'à comparer cette situation à la crise des missiles de Cuba, parce qu'à cette époque, le monde s'est vraiment trouvé au bord d'une apocalypse nucléaire. Aujourd'hui, Dieu merci, la situation n'est pas aussi critique. Cependant, nous avons installé en Crimée un système de missiles de défense côtière. Bastion, c'est ça? Bastion, oui. Ce sont de gros missiles. Et le destroyer Donald Cook a des missiles Tomahawks. Contre le système de missiles que nous avons déployé en Crimée, un destroyer comme le Donald Cook n'a aucune chance. C'est pour ça qu'il a fait demi-tour. Votre commandant avait l'autorisation de tirer? Nos commandants ont toujours l'autorisation d'utiliser tous les moyens disponibles pour la défense de la Fédération de Russie. Ça aurait pu être un incident grave. En effet, mais que faisait ce destroyer si près de nos côtes? Qui est le provocateur dans cette histoire? Nous défendrons toujours notre territoire. Tout s'est déroulé sur combien de temps, cette confrontation? Ça s'est passé en temps réel. Le commandant du destroyer a sans doute repéré les radiations des missiles qui le mettaient en joue. Je ne connais pas l'homme qui était à la barre de ce navire,
Mais je trouve qu'il s'est montré calme, responsable, courageux. Il a su prendre la bonne décision, ne pas faire monter la tension pour éviter la confrontation. Aller plus loin aurait été absurde. Ça ne veut pas dire qu'on l'aurait attaqué, mais nous devions montrer aux Américains que nos côtes étaient bien protégées. Il a été averti, enfin il a reçu un avertissement. Le capitaine voit immédiatement que son navire est pris pour cible. Il est alerté par les appareils de son navire. Ça se passe en 2 minutes, 30 minutes, 50. Il faudrait demander à un expert, mais c'est une question de secondes, je pense. Ça arrive souvent? Vous semblez très calme. On vous a appelé? Ça arrive de temps en temps. Dans ce cas précis, on nous a poussés à bout. Il l'avoue. Bien sûr, nous étions forcés de réagir, d'une manière ou d'une autre. Vous l'avouez enfin. Comme j'ai déjà dit, nous étions ouverts à un dialogue positif. Nous avons tout fait pour trouver une sortie politique acceptable à cette situation en Ukraine. C'était peine perdue car les États-Unis ont voulu coûte que coûte soutenir un coup d'État anticonstitutionnel. Pourquoi? Je ne l'ai toujours pas compris. Lors d'un discours, vous avez dit « Ceci est notre territoire historique. Les Russes sont concernés. Ils sont en danger. Nous ne pouvons pas les abandonner. Nous n'avons pas organisé le coup d'État. C'est l'œuvre des nationalistes et des extrémistes de droite. Vous les avez soutenus. Et pourtant, où vivez-vous? À 8000 km d'ici. Nous, nous vivons ici. Et c'est notre terre. Pourquoi voulez-vous vous battre là-bas? Vous ne le savez même pas, n'est-ce pas? Nous, nous le savons. Et nous nous tenons prêts. Est-ce qu'il reste un espoir? Il reste toujours un espoir. Je suis convaincu que tôt ou tard, on parviendra à des solutions dont on ne se doute même pas aujourd'hui. Mais d'autres problèmes émergeront, et il faudra les résoudre. C'est donc un optimiste. Modéré. Quant à la situation au Proche-Orient et à la complexité des problèmes auxquels cette région fait face, je pense à ce que m'a dit l'ancien Premier ministre israélien, M. Sharon, lors d'une de mes visites en Israël. Il m'a dit, « Monsieur le Président, vous êtes dans une région où vous ne pourrez jamais faire confiance à qui que ce soit, sur quelque question que ce soit. » Je pense qu'il avait vécu tellement d'événements tragiques qu'il avait perdu tout espoir de voir les choses s'améliorer. Mais à mon avis, cette région aussi, tôt ou tard, connaîtra l'apaisement. Les gens finiront par trouver un équilibre qui permettra à la région de vivre en paix. Même si aujourd'hui, ces problèmes nous paraissent extrêmement complexes. Vous savez, aucune grande religion au monde ne peut être source de mal. Dans l'islam, il y a plusieurs courants, plusieurs branches. Aujourd'hui, les deux branches principales, les sunnites et les chiites, sont très divisées, nous le voyons. Mais je pense qu'un jour, ce clivage sera surmonté. Sinon, est-ce que deviendra un califat? Ça, nous ne l'accepterons pas. Veillez à ce que Washington ne se transforme pas en califat. Vous avez connu des périodes de tension, vous en connaissez à nouveau. Vous vivez une présidence difficile. Des époques simples, vous en connaissez? Les temps sont toujours durs. Il faut simplement remercier Dieu de nous permettre de servir notre pays. So
Nous viendrons nous asseoir là, Monsieur Poutine, ici et moi là. Mais d'abord, nous pourrions nous rencontrer là-bas. Je pourrais venir de là ou descendre du balcon. Je préférerais que vous arriviez de là-bas pour la profondeur. Il y a un bar là-bas. D'un peu plus loin, oui, oui, plus loin. Prêt ? Je vais faire comme si on ne se connaissait pas ou comme si on ne s'était pas vu depuis des mois. Action. Action. Dites-lui action en russe. J'ai perdu mon acteur principal. Action ! Il est parti à un autre rendez-vous. Ah, le voilà. Café, monsieur ? C'est très gentil, merci, monsieur le président. Comment allez-vous ? Ça fait longtemps... Du sucre ? Il n'y a pas de sucre. Il s'est passé beaucoup de choses ces derniers mois. Dans mon pays, l'Amérique, nous avons eu des élections. Je vous en félicite. Donald Trump l'a emporté. C'est votre quatrième président américain, n'est-ce pas ? Il y a eu M. Clinton, M. Bush, M. Obama et maintenant le quatrième. Oui. Qu'est-ce qui va changer ? Presque rien. C'est vraiment votre sentiment face à ces quatre présidents ? Eh bien, la vie apporte son lot de changements. Mais la bureaucratie est très puissante partout, et plus encore aux États-Unis. C'est elle qui dirige le monde, en fait. Y a-t-il des ouvertures, des espoirs de changement avec M. Trump ? Il y a toujours de l'espoir, tant qu'on n'est pas dans un cercueil. Ça, c'est très russe, très Dostoïevski. Vladimir Putin himself directed the covert cyber attacks. This is not just an attack against me and my campaign. This is an attack against our country. U.S. intelligence believes that the cyber attack on the email of the Democratic National Committee was ordered by the Russian president himself, Vladimir Putin. In early September, when I saw President Putin in China, I felt that the most effective way to ensure that that didn't happen was to talk to him directly and tell him to cut it out, and there were going to be some serious consequences if he didn't. Cette campagne a été très fortement critiquée. La version de l'Occident, c'est que la Russie s'est ingérée dans les élections au bénéfice de M. Trump. C'est une affirmation complètement idiote. Oui, nous avons exprimé notre sympathie à l'égard de M. Trump et nous continuons à le faire, parce qu'il a publiquement déclaré qu'il souhaitait rétablir de bonnes relations russo-américaines. Quand les journalistes des médias internationaux me posaient toutes sortes de questions pour tenter de me coincer, je leur retournais systématiquement la question, en leur demandant s'ils étaient opposés à l'établissement de bons rapports entre les États-Unis et la Russie. Bien sûr, il reste à voir comment ces relations vont évoluer dans la pratique. M. Trump a parlé du rétablissement des liens économiques, de la lutte commune contre le terrorisme. Qu'y a-t-il de mal à cela ? Oui, dans ce cas, pourquoi avoir pris la peine de pirater l'élection ? Nous n'avons absolument pas piraté l'élection. Il est difficile d'imaginer qu'un pays, même un pays comme la Russie, puisse influencer une campagne électorale et ses résultats. À mon avis, le fait que quelques hackers non identifiés aient révélé des problèmes internes au Parti démocrate n'a pas eu un grand impact sur le déroulement de la campagne. Pas plus que sur les résultats. Oui, les hackers ont dévoilé des tensions au sein du Parti démocrate, mais ce n'était pas de fausses informations. La présidente du Comité national démocrate a tout de même donné sa démission. Cela montre bien qu'elle ne contestait pas la véracité des faits exposés. Les hackers n'y sont pour rien. Ce sont des problèmes internes aux États-Unis. Les personnes qui ont essayé de manipuler l'opinion publique ne devraient pas présenter la Russie comme un ennemi. Elles auraient dû s'excuser auprès des électeurs, mais elles ne l'ont pas fait. Manifestement, le peuple américain souhaite voir de grands changements dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le chômage,
et dans la création de nouveaux emplois dans le pays. Sadly, the American dream is dead. Il y a aussi la défense des valeurs traditionnelles, car les États-Unis restent dans une large mesure une nation puritaine, surtout l'Amérique profonde. Donald Trump et son équipe ont mené une campagne très intelligente. Ils savaient précisément où aller chercher leurs électeurs. Ils ont identifié les États qui pouvaient leur apporter le plus d'électeurs. J'ai regardé ses discours pendant la campagne électorale et je trouvais que, sur certains points, il allait vraiment trop loin. Mais au final, il s'est avéré qu'il a eu raison. Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States until our country's representatives can figure out what the hell is going on. Build that wall! Build that wall! Il a réussi à trouver la corde sensible dans le cœur des gens et il a su en jouer. Personne ne peut mettre en doute les résultats de ces élections. Au lieu de chercher des raisons extérieures à leur défaite, les perdants devraient en tirer les conséquences, remettre en question leurs actions et leur travail. Ce qui est navrant, c'est que l'équipe sortante a miné le terrain derrière elle. Elle a créé un environnement tel qu'il va lui être extrêmement difficile de tenir les promesses faites au peuple. Mais en vérité, nous n'attendons rien de révolutionnaire. Trump lui-même a dit que les Russes avaient piraté les élections, je cite. As far as hacking, I think it was Russia, but I think we also get hacked by other countries and other people. Je ne comprends pas ce qu'on veut dire par cette formule « la Russie a piraté ». J'ai entendu d'autres analyses. On sait que les technologies actuelles permettent à n'importe qui de pirater des données depuis n'importe où. On peut le faire depuis son lit avec un ordinateur sur les genoux. Et puis, il est possible de brouiller le trafic de sorte que personne ne puisse identifier exactement l'origine géographique de ces attaques. If Putin likes Donald Trump, guess what, folks? That's called an asset, not a liability. Now, I don't know that I'm going to get along with Vladimir Putin. I hope I do, but there's a good chance I won't. And if I don't, do you honestly believe that Hillary would be tougher on Putin than me? Does anybody in this room really believe that? C'est quand même du jamais vu. Les deux principaux partis américains, les agences de renseignement, la CIA, le FBI, la NSA, les responsables politiques de l'OTAN, tous croient à cette histoire de piratage de la campagne par la Russie. C'est énorme. Non, non, ce n'est pas tout à fait correct. Vous avez sans doute lu ce qui a été écrit à ce propos, en tout cas les rapports officiels. Vous avez lu le rapport de 25 pages? Oui, je l'ai lu. It details Russian cyber attacks against not just the Democratic National Committee, but the White House, the Joint Chiefs of Staff, the State Department, even American companies. Some hacks successful, others thwarted. L'un des services de renseignement dit que l'ingérence de la Russie est hautement probable. L'autre estime que cette probabilité n'est pas si haute que ça. Leurs conclusions sont basées sur des analyses de la situation, pas sur des faits. Il n'y a rien de concret. Ça me rappelle la façon dont se construit une aversion contre un groupe ethnique, comme l'antisémitisme par exemple. Les antisémites vont toujours blâmer les juifs pour leurs propres échecs. Certaines personnes ont la même attitude envers la Russie. Ils la rendent responsable de tous leurs maux. Le sénateur McCain, par exemple, pas plus tard qu'hier, a proposé un veto du Sénat pour empêcher Trump de lever les sanctions, par anticipation. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup de sénateurs comme lui, malheureusement. Putin is a killer. There was no moral equivalence between the United States and Putin's Russia. I repeat, there is no moral equivalent between that butcher and thug and KGB colonel and the United States of America, the country that Ronald Reagan used to call a shining city on a hill. À vrai dire, il m'est assez sympathique. Non, non, je ne plaisante pas. J'apprécie son patriotisme, sa cohérence dans la défense des intérêts de son pays.
Vous savez, à l'époque de la Rome antique, il y avait un sénateur nommé Marcus Porcius Cato, Caton l'Ancien, qui terminait tous ses discours par cette phrase « Carthage doit être détruite ». Carthage doit être détruite. Ceux qui partagent les convictions du sénateur dont vous venez de parler vivent dans un monde révolu. Ils ne veulent pas aller de l'avant. Ils ne veulent pas comprendre que le monde change très vite. Ils ne voient pas les menaces réelles. Le passé les tire en arrière. D'un autre côté, nous avons soutenu le combat des États-Unis pour leur indépendance, et nos deux pays ont été alliés pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous faisons face aux mêmes défis, le terrorisme international, la pauvreté dans le monde et la dégradation de l'environnement, qui est une vraie menace pour toute l'humanité. Nous avons accumulé tellement d'armes nucléaires qu'elles sont devenues un danger pour le monde entier. Nous devrions y réfléchir. Nous avons des problèmes à résoudre. La Russie a été accusée de traîtrise extrême. C'est une accusation qui est reprise sans arrêt dans les médias, à tel point que plus personne ne pense à la remettre en question. La Russie a piraté les élections. Beaucoup de gens disent que le Kremlin tient Trump à sa merci, que le président a une dette envers lui. Vous voyez bien où ça nous mène. La situation est impossible, très délicate pour M. Trump, s'il a vraiment l'intention de redéfinir les rapports avec la Russie. Je l'ai dit, je le répète, cette prétendue influence sur les résultats des élections américaines est un mensonge. Ce mensonge est diffusé aujourd'hui pour un certain nombre de raisons. Pour compromettre la légitimité du président Trump, pour empêcher la normalisation de nos relations et pour créer des instruments supplémentaires pour la lutte politique intérieure. Si on considère les choses sous cet angle, les relations russo-américaines ne sont qu'un instrument au service de rivalités politiques intestines. Beaucoup de gens sont agacés. Ils pensent que ces accusations sont infondées. Et ils sont d'accord avec Julian Assange, qui connaît bien la question depuis 2006. Nous savons qu'un grand nombre d'Américains ne croient pas à ces mensonges, et nous en sommes heureux. Mais certaines personnes instrumentalisent ces idées pour servir leur cause, et nos réfutations ne vont pas les arrêter. Au contraire, ils vont utiliser nos contre-arguments pour poursuivre leur lutte avec les mêmes moyens. Nous connaissons leur stratagème. Il me semble que si vous connaissez leur stratagème, vous pourriez au moins faire quelques déclarations sur cette cyberguerre, entrer dans le détail, dire pourquoi ce n'est pas possible, pourquoi il y aurait dû y avoir une trace. Il y a quand même des voies à explorer. On dirait que la Russie n'a pas envie de se défendre de ces accusations, qu'elle laisse passer la tempête en disant qu'elle a autre chose à faire. Vous avez bien compris. Nous sommes indifférents à ces accusations parce qu'en réalité, elles ne nous concernent pas. C'est un problème de politique intérieure américaine. Je le répète, j'aimerais qu'on m'entende. Ces hackers, quels qu'ils soient, n'ont pas pu avoir un grand impact sur le déroulement de cette campagne. Ils n'ont fait qu'étaler au grand jour des problèmes internes de la vie politique américaine. Ils n'ont pas menti. Ils n'ont rien inventé. Quelle importance d'où ils viennent, qu'ils soient de Russie, d'Asie, d'Amérique latine, ou peut-être d'Afrique. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part dans le cyberespace de preuves que la Russie pourrait produire pour sa défense? Il n'y a aucune preuve démontrant que nous aurions quoi que ce soit à nous reprocher. Et c'est la plus grande preuve de notre innocence. Même les rapports dont vous venez de parler, les rapports de la CIA, de la NSA, ne contiennent rien de concret. Ce ne sont que des allégations et des suppositions. Soit. Donc vous attendez que ça se tasse. En même temps, M. Trump a plus d'une fois appelé à une reprise américaine de la production d'armes, à la fois nucléaires et conventionnelles, ce qui est une absurdité pour moi. Comment l'Amérique peut-elle dépenser plus que ce qu'elle dépense déjà? Les États-Unis dépensent davantage pour leur défense que tous les pays du monde réunis. Je pense que les contribuables américains devraient y réfléchir.
Il y a d'autres problèmes dans ce pays. La santé, l'éducation, les retraites, l'assistance sociale, enfin la dette publique qui s'élève à près de 20 000 milliards de dollars. Les militaires ne se satisfont jamais des moyens que l'État met à leur disposition. Croyez-moi, chez nous aussi, il y a les mêmes débats. Avez-vous espoir de rencontrer M. Trump dans les mois qui viennent ? Oui, nous allons certainement nous rencontrer à un moment donné. De notre côté, nous ne précipitons rien. Pour le moment, le nouveau président américain travaille avec ses partenaires à définir ses priorités. Il travaille avec les services secrets, les militaires, le département d'État et également avec le Parti républicain. Et puis il devra aussi compter avec les démocrates. Mais quand son gouvernement sera prêt à travailler avec nous, nous répondrons présent. Mais comment allez-vous travailler avec les agences de renseignement si ces mêmes agences disent que la Russie a piraté les élections? On est dans l'impasse. Non, ce n'est pas une impasse. C'est une question de volonté humaine. Si M. Trump demandait la déclassification de tous les dossiers concernant l'Ukraine ou la Syrie pour voir la genèse de ces problèmes, est-ce que ce serait possible pour qu'il change sa façon de voir les choses? Je pense que c'est possible. Mais comme je l'ai déjà dit, il aura une très faible marge de manœuvre. Nous comprenons ces contraintes. Cela étant, j'espère vraiment qu'après avoir étudié attentivement les dossiers, il se forgera sa propre opinion sur toutes ces questions. J'espère que nous allons trouver des points de compréhension mutuelle. Nous devons entamer un dialogue substantiel avec nos partenaires américains, au niveau du département d'État, des services secrets, mais aussi du Conseil de sécurité. Les déclarations publiques, américaines ou russes, ne suffisent pas. Nous souhaitons entendre l'argumentaire des Américains dans un dialogue constructif et professionnel. Et nous voulons que nos arguments aussi soient entendus. À quand le prochain G20 ? Probablement en été, en juillet, je crois. Ce sera donc votre première rencontre. Oui, sans doute. Vous avez eu deux conversations téléphoniques avec lui? Oui, nous en avons eu une avant l'investiture et une autre après. J'imagine que vous avez abordé la question du terrorisme. Nous avons parlé de la lutte contre le terrorisme. Nous avons évoqué la question de la Corée du Nord, le désarmement nucléaire, l'Ukraine. Bien, je vois. Est-ce qu'il y a eu une ingérence américaine dans les élections de 2012 en Russie? Des ingérences, il y en a toujours eu, en 2012, mais aussi en 2000. En 2012, elles ont été particulièrement agressives. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je peux simplement citer un exemple. Nos partenaires américains sont au courant, nous en avons parlé avec messieurs Kerry et Obama. On avait du mal à croire que des diplomates étrangers puissent s'immiscer de façon aussi agressive dans une campagne électorale à l'intérieur même de la Russie. We have programs both inside Russia and outside Russia to work with those Russian activists who want to work with us to try to strengthen rule of law, to try to strengthen a free press. We have a large number of Russian journalists who've actually fled Russia now, who are working with us and with others in Europe to try to ensure there is independent Russian language news inside, going back into the country. We also work on LGBT rights and other things inside Russia with those who want to work with us. Les Américains organisaient des réunions avec l'opposition russe, ils les finançaient. Ils se rendaient à des meetings de l'opposition, etc. Ce n'est pas le rôle des services diplomatiques. Ils sont censés œuvrer au rapprochement des États. Les ONG, oui, elles peuvent faire tout ce qu'elles veulent, indépendamment de leur pays d'origine. Mais le problème avec les ONG, c'est qu'elles sont souvent financées par des structures contrôlées directement ou indirectement par le département d'État américain. Ces ONG sont présentes dans toute la zone post-soviétique, en Europe de l'Est et dans beaucoup d'autres pays, y compris en Afrique et en Amérique latine.
Bien. Est-ce qu'il y a eu une cyberingérence dans les élections de 2012? À vrai dire, je ne m'y suis pas particulièrement intéressé. Nous suivons notre propre agenda. Il me semble que beaucoup de nos partenaires vivent dans leur monde et ne comprennent pas ce qui se passe vraiment dans les autres pays, et notamment en Russie. Clarifions un peu les choses. La cyberguerre est arrivée dans nos vies depuis quelques années. We have entered into a new phase of conflict in which we use a cyber weapon to create physical destruction. Dans mon film Snowden, il y a une scène, je la tiens de Snowden lui-même, où il se trouve au Japon. NSA wanted to impress the Japanese, show them our reach. They were not as thrilled to learn that we wanted them to help us spy on the Japanese population. They said it was against their laws. Of course, we tapped the entire country anyway. And we didn't stop there. Once we owned their communication system, we started going after their physical infrastructure. We'd slip these little sleeper programs into power grids, dams, hospitals, and the idea was if the day came when Japan was no longer an ally, it'd be lights out. And it wasn't just the Japanese. We were planting malware in Mexico, Germany, Brazil, Austria. I mean, China, I can understand, or Russia, or Iran, Venezuela, okay, but Austria? You're also being ordered to follow most world leaders and heads of industry. You know, you're tracking trade deals, sex scandals, diplomatic cables to give the U.S. an advantage in negotiations at the G8. Or leverage over Brazilian oil companies, or helping to oust some third world leader who's not playing ball. And ultimately, the truth sinks in that no matter what justification you're selling yourself, this is not about terrorism. Terrorism is the excuse. This is about economic and social control. And the only thing you're really protecting is the supremacy of your government. Les Américains ont des intérêts un peu partout. Ils doivent être présents dans le monde entier. Les 600 milliards dépensés par le Pentagone, ce n'est pas la totalité du budget alloué à la sécurité et à la défense. Si moi-même je sais qu'il existe des logiciels malveillants infiltrés dans les infrastructures japonaises pour détruire des centrales électriques, des chemins de fer et mettre tout un pays au point mort, j'imagine que les Russes sont bien mieux renseignés que moi là-dessus. Ça fait belle lurette qu'ils ont pris la mesure du danger et qu'ils y travaillent pour préserver la Russie d'une telle menace. La Russie qui serait une cible désignée. Vous n'allez sûrement pas me croire, mais à partir des années 1990, nous sommes partis du principe que la guerre froide était terminée. Nous avons estimé qu'il n'y avait aucun besoin de prendre des mesures de protection supplémentaires parce que nous considérions que nous faisions partie intégrante de la communauté internationale. Et jusqu'à récemment, nous n'avions pratiquement pas de matériel propre, fabriqué en Russie. Nos entreprises publiques, nos organismes d'État et nos administrations importaient à tout va, qu'il s'agisse d'équipements informatiques ou de logiciels. Nous utilisons énormément de matériel provenant d'Europe et des États-Unis, même au sein des services secrets et du ministère de la Défense. Mais il y a quelque temps, nous nous sommes rendus compte du danger que cela pouvait représenter. Nous nous sommes posé la question, comment garantir notre indépendance technologique et notre sécurité? Bien évidemment, nous réfléchissons à tout cela et nous prenons les mesures qui s'imposent. En temps réel, si Snowden peut dire « les États-Unis ont fait ça à un de leurs alliés en 2007 », en l'occurrence le Japon, s'ils peuvent introduire des logiciels malveillants chez leurs alliés, alors on peut se demander de quoi ils sont capables avec des pays comme la Chine, la Russie, l'Iran. Vous voyez ce que je veux dire? La Russie savait forcément dès 2007 que les États-Unis utilisaient ces techniques, même s'ils se refusent à l'admettre. Il est désormais connu qu'en 2010, ils ont réussi à implanter le virus Stuxnet en Iran. Bien sûr, nous le savons très bien. By the fall of 2010, the consensus was that Iran's top secret uranium enrichment plant in Natanz was the target.
and that Stuxnet was a carefully constructed weapon designed to be carried into the plant on a corrupted laptop or thumb drive, then infect the system, disguise its presence, move through the network changing computer code, and subtly alter the speed of the centrifuges without the Iranians ever noticing. Sabotage by software. La Russie a-t-elle connu des cyberattaques dès 2007, ou même 2006-2005? Avant, on n'y prêtait pas vraiment attention. Il y avait même des observateurs américains dans nos usines nucléaires, là où on produisait nos armes nucléaires. Oui, oui. Jusqu'en quelle année? Je ne me souviens pas exactement. Peut-être jusqu'en 2006. La Russie a fait preuve d'une immense ouverture et d'une confiance exceptionnelle. Malheureusement, personne n'a su le reconnaître et l'apprécier. Quand la Russie a-t-elle commencé à renforcer ses cybercapacités? Le processus a commencé il y a un certain temps, en même temps que beaucoup d'autres. Il a fallu combler notre retard sur le reste du monde. Mais nous avions des bases solides. En Russie, le niveau d'éducation est très élevé. Il existe d'excellentes écoles de mathématiques. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires annuel de certaines entreprises russes dépasse les 7 milliards de dollars. Elles sont devenues très compétitives sur le marché des logiciels. Et les fabricants de matériel, de hardware, ne sont pas en reste. C'est un secteur très dynamique. Certains fabriquent ce qu'on appelle des super-ordinateurs. J'imagine que la Russie est prise dans une sorte de course avec les États-Unis, une bataille secrète par rapport à la cyberguerre, non? Que les États-Unis font des tentatives contre la Russie et que la Russie essaie de se défendre en contre-attaquant. Eh bien, chaque action entraîne une réaction. Il est bizarre, non, sur ce sujet, comme s'il avait quelque chose à se reprocher. On dirait un renard qui vient de sortir du poulailler. Hélas, il n'y avait pas de poule dans le poulailler. Il y a quelques semaines sur RT, j'ai vu un reportage qui n'a pas eu de suite et qui a disparu au bout de 2 jours. Il disait que plus de 20 pays avaient été victimes d'une attaque botnet sur leur système bancaire. En Russie, 6 grandes banques. C'est d'une telle ampleur qu'on a émis l'hypothèse, c'était après les élections, qu'il ait pu s'agir d'une attaque des États-Unis contre la Russie. Два крупнейших российских розничных банка ВТБ-24 и Альфа-банк сегодня подверглись мощной хакерской атаке. На прошлой неделе также был атакован сайт Центрального банка. Сбербанк, Альфа-банк признал Банк Москвы, Росбанк и Московская биржа. Началась она 8 числа, 8 ноября, в общем-то, в канун выборов в США. Нет, он не исчез. Non, le reportage n'a pas disparu. On savait qu'une telle attaque était en préparation. Ce n'était pas une certitude absolue. Mais pour prendre leurs précautions, les représentants des banques ont contacté les médias ainsi que leurs clients. Ils ont prévenu les citoyens de l'éventualité de ces attaques et les ont appelés à ne pas s'inquiéter, à ne pas se ruer dans les banques pour retirer leur argent. Mais nous n'affirmons pas que cela venait des États-Unis. Nous n'en avons aucune preuve. C'est une affaire énorme. Vous avez d'abord M. Biden qui dit « Nous attaquerons la Russie comme elle nous a attaqué pendant ces élections ». Relayé par M. Obama. I think there is no doubt that when any foreign government tries to impact the integrity of our elections, that we need to take action, and we will at a time and place of our own choosing. Some of it may be explicit and publicized, some of it may not be. But Mr. Putin is well aware of my feelings about this because I spoke to him directly about it. This is outrageous conversation. C'est insensé. Ce sont des mots qui pèsent lourd de la part du vice-président puis du président. Ce sont des gens sérieux. Il s'est bien passé quelque chose avant l'investiture de M. Trump. Ils ont dit qu'ils avaient besoin de temps. Or, le mandat de l'administration précédente touchait à sa fin. Il ne lui restait pas beaucoup de temps.
À vrai dire, et sans vouloir vexer qui que ce soit, les événements de cette fin de mandat m'ont rappelé le fonctionnement du Politburo du Parti communiste de l'Union soviétique. Ses membres passaient leur temps à se décerner des décorations et autres médailles. C'était vraiment ridicule, cette manie de s'octroyer entre eux des titres honorifiques. Quand j'ai vu qu'il se passait la même chose aux États-Unis, j'ai compris qu'ils n'avaient plus le temps de prendre des décisions sérieuses. Vous en riez, mais au vu des fortunes que nous avons investies dans la cyberguerre et le commandement de la cyberdéfense, il me semble que le danger est réel. J'ai l'impression que vous minimisez l'affaire parce qu'en effet, il s'est passé quelque chose, mais que vous ne voulez pas en parler, parce que les relations ne sont pas faciles en ce moment. Vous êtes déçu par l'échec des États-Unis ou vous regrettez que l'argent des contribuables américains ait été dépensé de cette manière ? Non, je pense surtout que la cyberguerre peut déboucher sur une vraie guerre, j'en suis convaincu. Par le passé, le virus Stuxnet, par exemple, a bien failli déchaîner une tempête à l'échelle mondiale. Je pense que tout ça est très dangereux et que nous jouons avec le feu. En effet, c'est dangereux. Ah, je sais. Manifestement, vous avez des informations sensibles et je comprends que vous n'ayez pas envie de les divulguer. Est-ce qu'on va pouvoir faire face à ce qui nous attend? Ce qui s'est passé en Iran pourrait être aussi grave que ce qui s'est passé en 1945 à Nagasaki et Hiroshima et qui a marqué le début d'une nouvelle ère. Ce qui s'est passé à Hiroshima et Nagasaki est une page tragique de l'histoire de l'humanité. On a ouvert la boîte de Pandore. Selon nos experts, le recours à l'arme nucléaire n'avait aucune utilité du point de vue militaire. Le Japon était au bord de la défaite. Mais cette comparaison entre l'Iran et le Japon me semble quand même exagérée. Là où je suis d'accord avec vous, c'est lorsque vous dites que si nous n'instaurons pas des règles dans ce domaine, les conséquences de ces actes peuvent être très graves, voire tragiques. Pour moi, c'est une guerre secrète. On ne sait pas qui l'a commencé, si elle se fait par procuration, via d'autres pays, si la Corée du Nord a bien piraté Sony, par exemple, comme le dit la rumeur. Mais si toutes les lumières s'éteignaient en Russie, ce serait aussitôt la panique, de même qu'aux États-Unis, on ne pourrait pas identifier l'agresseur. Il est presque impossible de semer la panique chez les citoyens russes. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, les économies les plus avancées sur le plan technologique sont les plus vulnérables aux attaques de ce type. Mais en tout état de cause, cette compétition recèle de nombreux dangers. En la matière, des règles du jeu sont indispensables. Je ne voulais pas en parler, mais vous me forcez à le faire en m'arrachant des réponses. Il y a un an et demi, à l'automne 2015, nous avons adressé une offre à nos partenaires américains. Nous leur avons proposé de creuser tous ces sujets et de conclure un traité sur les règles de conduite dans ce domaine. Les Américains n'ont pas répondu. Vous allez pouvoir ouvrir le dossier avec M. Trump. Certainement. Nous devons ouvrir une nouvelle page dans les relations russo-américaines. John Reed, le seul Américain enterré au Kremlin, joué par Warren Beatty dans le superbe film Reds. Il a écrit sur la Révolution, il était en Russie en 1917-1918. Il était très attaché au socialisme. C'est lui qui a créé le Parti communiste américain. Ce n'était pas un méchant, c'était quelqu'un de profondément idéaliste. Le mouvement ouvrier traversait alors une période de grève très dure. Il se heurtait à l'opposition des grandes entreprises. Pour beaucoup de gens, c'est un héros. Bien sûr, il était contre la Première Guerre mondiale, comme de nombreux pacifistes, des gens bien. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Révolution russe. Il a fait des analyses intéressantes sur le rôle des empires. Nous arrivons maintenant près du mausolée de Lénine. Je l'ai visité il y a des années, mais on n'a pas le droit d'y entrer aujourd'hui, ni de le photographier. Ce qui est intéressant à ce sujet, c'est qu'en 2017, on fête le centenaire de la Révolution. C'est un grand événement. Beaucoup de gens vénèrent Lénine ici. Il a sa statue dans beaucoup de villes de l'ex-Union soviétique.
En même temps, depuis la chute du communisme en 1991 et les souffrances que la population a endurées, ils ont des sentiments assez ambivalents. Ils se demandent s'il faut lui rendre hommage à l'occasion du centenaire. Le moment est peut-être venu de le laisser partir. Si son karma est ici, dans ce tombeau, à sa place, je ne serais pas content d'apprendre que je vais rester 100 ans de plus coincé là, sous le regard de tout le monde. On a droit à une pause pour partir en quête d'un nouveau karma. Quand on entre là-dedans, c'est très austère, c'est très silencieux. Il y a un gardien en permanence ou deux. Personne ne vous presse comme dans d'autres endroits de ce type. Vous pouvez prendre votre temps, regarder, méditer. C'est une expérience très forte. Brejnev, Félix Dzerzhinsky, Yuri Andropov. Beaucoup de gens les considèrent comme les plus grands méchants de l'histoire, aux côtés de Hitler, Joseph Staline. Pour les gens de gauche, pour qui le communisme signifiait une amélioration de la condition ouvrière, Staline a été une catastrophe. Il a souillé l'idéal communiste à jamais. C'est une histoire de sang et de terreur. Mais il a joué un rôle essentiel pendant la Seconde Guerre mondiale et il a été un proche allié des États-Unis pendant le conflit. Et M. Trotsky, où est-il ? Pas de Trotsky ici. Staline a réussi à effacer la mémoire de Trotsky, qui a fini assassiné au Mexique par ses agents. Allons-y. À propos de Staline, vous l'avez critiqué. Bien sûr, son action est largement condamnée à travers le monde. Mais en même temps, nous savons tous qu'il a conduit l'URSS à la victoire contre l'Allemagne, contre le fascisme. Qu'est-ce que vous inspire cette ambivalence ? Je pense que vous êtes quelqu'un de très rusé. Pourquoi ? On peut en reparler demain, si vous voulez. Non, non, non. Je peux répondre maintenant. Vous savez, l'un des personnages politiques majeurs du XXe siècle, Winston Churchill, était un anti-soviétique convaincu. Mais lors de la Seconde Guerre mondiale, il a tout fait pour préserver l'alliance avec l'URSS et il qualifiait Staline de « remarquable chef militaire et grand révolutionnaire ». À la fin du conflit, c'est Churchill qui, comme vous le savez, a initié la guerre froide. Et quand l'URSS a réalisé ses premiers essais nucléaires, c'est encore Churchill qui a proclamé la nécessaire coexistence de deux systèmes. C'était un homme très souple, qui savait s'adapter. Mais je pense qu'au fond de lui, son opinion envers Staline n'a jamais varié. Staline était un pur produit de son époque. Qu'on le diabolise à l'extrême ou qu'on glorifie ses mérites dans la victoire sur le nazisme. Quant à sa diabolisation, dans l'histoire britannique, il y a un personnage célèbre, Oliver Cromwell. C'était un homme avide de sang qui a été amené au pouvoir par une vague révolutionnaire et qui s'est transformé en tyran et en dictateur. Et pourtant, en Grande-Bretagne, il y a des statues de lui partout. Et Napoléon, lui, il est déifié. Or, qu'a-t-il fait ? Il est arrivé au pouvoir grâce à la Révolution, mais il a rétabli la monarchie et s'est même proclamé empereur. Il a mené la France à la catastrophe, à la défaite totale. Dans l'histoire mondiale, on trouve bon nombre de personnages et de situations semblables. Je crois que la diabolisation excessive de Staline est un moyen d'attaquer l'Union soviétique et la Russie. De dire que la Russie actuelle porte encore les stigmates du stalinisme. Nous portons tous des traces de notre passé, et alors ? Ce que je veux dire, c'est que la Russie a complètement changé, même s'il reste sans doute quelque chose du passé dans les mentalités.
Mais pour autant, il ne faut pas oublier les atrocités du stalinisme, la mort de millions de nos compatriotes dans les camps. C'est une figure complexe de notre histoire. Vos parents l'admiraient, non? Bien sûr. Je pense qu'une écrasante majorité de citoyens soviétiques admiraient Staline. Quand sont morts vos parents? Ma mère est morte en 1998 et mon père en 1999. Ils étaient fiers de vous? Oui. Est-ce qu'ils auraient pu s'imaginer qu'un jour... Oui, c'est vrai. Mon père est décédé 2 mois avant ma nomination au poste de Premier ministre. Mais en même temps, avant cette nomination, lorsque je lui rendais visite à l'hôpital, il disait au personnel médical, « Regardez, voilà mon président qui arrive. » Mon président, c'est touchant. Les Américains vous reprochent d'avoir créé un système centralisé, autoritaire, ce qu'ils appellent un capitalisme oligarchique d'État. En même temps, ils aimaient bien la Russie des années 1990, où les oligarques prospéraient avant votre arrivée. Vous en avez neutralisé certains, vous me l'avez raconté. Vous les avez réunis à Moscou en insistant sur le fait qu'ils portaient une responsabilité vis-à-vis du peuple et de l'État. Les élites occidentales disent que vous avez mis vos propres oligarques au pouvoir ces 15 dernières années, tandis que les autres, les anciens, sont bien installés dans des villes comme Londres. Ils admettent avoir accumulé de grandes richesses, mais ils disent aussi que c'est vous qui avez fait cette richesse et que vous en avez pris votre part. Ils disent que vous êtes en réalité l'homme le plus riche du monde. Au même titre que Rockefeller, Morgan ou Onassis. Cela vous fait sourire, tant mieux. Mais en tant que chef de votre peuple, comme Chavez ou Castro ou d'autres encore qui ont été accusés de corruption, pourriez-vous d'une certaine manière être plus transparent sur votre fortune personnelle? La vérité, c'est que je ne possède pas la fortune qu'on m'attribue. Je me souviens que lorsque j'ai déménagé de Saint-Pétersbourg à Moscou, j'ai été frappé par le nombre d'escrocs qui se trouvaient dans la capitale. J'ai été encore plus surpris par leur comportement, et j'ai eu beaucoup de mal à m'y faire. Ces gens n'avaient aucun scrupule. Qu'est-ce que l'oligarchie? C'est la fusion entre le pouvoir et l'argent. L'objectif des oligarques est d'influer sur les décisions des autorités, afin d'accroître toujours davantage leur fortune. Ma tâche était de séparer l'argent et le pouvoir. En 2008, l'année de la crise, j'ai été surpris par le comportement admirable de nombreux chefs d'entreprise, y compris du secteur privé, que je ne connaissais pas personnellement. Ils ont d'eux-mêmes pris en charge une grande partie des responsabilités, ils ont tout fait pour maintenir leur société à flot, pour garder leur personnel. Ils ont risqué leurs capitaux. J'espère que c'est dans ce cadre-là, en accord avec la législation existante, que nous allons continuer à développer le secteur privé. Mais je pense qu'aujourd'hui, le problème de la présence des oligarques au pouvoir n'est pas aussi critique que dans les années 1990 ou au début des années 2000. Aujourd'hui, nous avons un autre objectif, beaucoup plus important, réduire l'écart entre les plus riches et les personnes à petits revenus. En 2000, près de 40 millions de personnes vivaient en dessous du seuil de pauvreté. Aujourd'hui, ce chiffre est encore très important, mais il a été divisé par 2. Pour ce qui est des oligarques, ce n'est plus un problème d'actualité, selon moi.
Donc pas de compte en banque à Chypre? Non, et il n'y en a jamais eu. Ce sont des inepties. Si ce genre de compte existait, ils auraient été signalés depuis longtemps. Je sais d'expérience que je m'amuserais beaucoup plus si j'étais riche. Vous savez, à mon sens, ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Oui, qu'est-ce que vous en feriez aujourd'hui, dans un contexte de crise, avec tous ces actifs qu'il faudrait préserver, déplacer, etc. Ça ne vous apporterait que des migraines. Vous êtes beaucoup plus riche que bien des gens dont le compte en banque est plus garni que le vôtre. Parce que vous avez votre opinion bien à vous. Vous avez du talent. Vous avez la possibilité de vous en servir pour laisser votre empreinte dans l'histoire. L'argent ne donne pas ce genre de bonheur. On ne peut pas emporter sa fortune dans sa tombe. Si vous vous présentez de nouveau en 2018 et que vous l'emportez, vous serez au pouvoir pour 6 ans de plus, jusqu'en 2024. Ce qui ferait un total de 24 ans en tant que président et premier ministre. Plus longtemps que Roosevelt, mais moins que Castro, qui approchait les 50 ans de pouvoir, et pas loin de Staline, qui a fait plus ou moins 30 ans, enfin, disons 27 ans. Cela ne vous fait pas peur? Est-ce qu'il n'y a pas une routine qui s'installe? Le pouvoir ne déforme-t-il pas votre regard? Pensez-vous que la Russie ait besoin de vous à ce point? Ne peut-on pas imaginer une saine concurrence entre deux potentiels successeurs à l'intérieur du système? Le parti unique en Chine est un bon exemple de concurrence à l'intérieur du parti. Les successeurs font leurs armes au fil des ans dans les structures du parti dans différentes provinces. L'Union soviétique testait aussi ses dirigeants de cette manière. Mais ils ont quand même provoqué la fin du régime. Ce n'est donc pas une question de sélection. Pour revenir à votre question, est-ce que la Russie a besoin de quelqu'un ou pas? C'est à la Russie elle-même d'en décider. Quant à l'alternance du pouvoir, elle est nécessaire. Évidemment, il faut qu'il y ait une saine compétition dans ce processus. Mais ce sont des gens dévoués à la nation qui doivent y participer. Au final, je le répète, ce sont les citoyens russes qui choisiront leurs dirigeants. Au sujet des élections de 2018, c'est un domaine où il est bon de conserver un certain suspense. Je ne vais donc pas donner de réponse complète à votre question. Je comprends. J'ai dit si. Dans ce domaine, il n'y a pas de conditionnel. Si. Excusez-moi. Bien sûr, la démocratie, quelle que soit la définition qu'on lui donne, a des défauts. Et le système américain est loin d'être parfait. On sait que l'argent achète le pouvoir en Amérique. Le système russe non plus n'est pas parfait. Il est peu probable que les prochaines élections parviennent à convaincre le monde que la Russie est bel et bien une démocratie. À moins qu'on fasse venir des observateurs internationaux comme M. Chavez l'a fait au Venezuela, où le processus est devenu véritablement transparent. Vous croyez vraiment que nous éprouvons le besoin de prouver des choses à qui que ce soit? Notre objectif est de rendre notre pays plus fort. C'est un argument dangereux. Il est à double tranchant. Ceux qui abusent du pouvoir disent toujours que c'était une question de survie. Ce n'est pas une question de survie. Et nous ne cherchons absolument pas à nous justifier. Vous avez évoqué le passé soviétique et l'histoire impériale de la Russie. Effectivement, il faut tenir compte de tous les éléments négatifs du passé, mais aussi des éléments positifs. La Russie est un pays millénaire. Elle a ses traditions, sa conception de la justice, sa vision de ce qu'est un pouvoir efficace. Le sujet, ce n'est pas la survie d'un système ou le fait qu'un individu s'accroche au pouvoir ou que je le fasse moi-même.
Ce qui compte, c'est d'assurer la croissance économique, la qualité de vie des citoyens russes. C'est d'améliorer notre système de défense, de faire en sorte que tout cela fonctionne au quotidien, et pas seulement en temps de crise. Monsieur Poutine, je ne doute pas un instant de votre amour pour votre pays et de votre fierté à le servir. Il est clair que vous êtes un digne fils de la Russie et que vous l'avez bien servi. Mais je pense que nous connaissons tous le prix du pouvoir. Quand on y reste trop longtemps, on a le sentiment que le peuple a besoin de vous. Mais entre-temps, on a changé, parfois sans même nous en rendre compte. C'est effectivement quelque chose de très dangereux. Si la personne au pouvoir s'aperçoit qu'elle a perdu ce lien, cette proximité avec le pays, c'est qu'il est temps pour elle de partir. D'accord. Bon. Il est quelle heure? C'est l'heure. Merci, Monsieur Poutine. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris tout ce temps. Merci pour vos questions. Merci pour votre persévérance. Ça vous est déjà arrivé dans la vie de vous faire taper dessus? Oh oui, j'ai déjà pris des coups. Alors ce ne sera pas nouveau pour vous. On vous fera souffrir pour ce que vous avez fait. Oh oui, bien sûr, je le sais, mais ça en vaut la peine. Si ça peut apporter un peu de paix, aider à une prise de conscience. Merci beaucoup. Revenez en Russie. Je n'y manquerai pas. Il faut vraiment aller à Saint-Pétersbourg. Le meilleur moment, c'est pendant les nuits blanches. Notre partenaire américain, c'est son expression préférée. Il n'a pas arrêté de dire ça. Thank you, Dimitri. Yeah, next time we'll be relaxing. Merci à tous. Good luck with the military. Bonne chance avec l'armée ce soir et prenez un peu de repos après ça. Merci. Vous aussi, vous en aurez besoin.